Hop là, oui, ça y est, là, ça a l'air de fonctionner. Quel idiot. Quel idiot. Ah, salut Suze, est-ce qu'il y a du son pour toi? J'avais eu un abandon de la carte son qui s'était décochée, là. Si tu m'entends, c'est bien, normalement... Je te réentends, oui. Tu me réentends, ouais. Au moment où je me suis vautré en me prenant les pieds dans mon casque, hein, tu me croiras si tu veux, mais... j'ai arraché la carte son. Et je ne comprenais pas pourquoi mon ordi s'obstinait à afficher un petit signal lumineux me disant « Mais il n'y a pas de micro ». Comment ça, il n'y a pas de micro? Ben, c'est normal, parce qu'il n'y avait pas de carte son, en fait. Mon Dieu. Alors, du coup, qu'est-ce que je faisais? Donc, du grand stream. C'est ça. Je sens que ce soir, ça va être vraiment du très grand stream, du très grand lolo. Il n'y a rien que je fasse bien, là. Alors, hop. Oui, je voulais dire, j'ai insisté, je ne devrais pas, je pense que c'est une idée absurde, mais j'ai trouvé un outil pour faire des tier lists. Tu nous entends tous les deux, super. Et oui, et oui. Donc, ça nécessite de faire des... comment... de faire des petites icônes pour chaque philosophe. Oui, ce qui ne devrait pas être très compliqué, hein. Il y a une... ils ont tous leurs petits portraits, leurs petites gravures... Ça va juste être long, mais ça va pas être compliqué. Ça va être un peu long. Bah, il y a des oiseaux qu'on n'en pas. Hein, comment il y a Zénon, je suis pas sûr que j'ai sa tronche. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas un buste de Zénon quelque part. Pourquoi ça ? Alors, le problème avec les bustes, le truc, c'est que les bustes de philosophes qui sont faits à l'époque romaine, ils se ressemblent tous. Ça va pas être super pratique. Mais sinon, t'as la solution feignasse de faire un carré. Couleur coquille d'œuf avec une police de caractère, un bon vieux garamond dessus, en noir avec marqué Zénon. Ah, c'est assez pourri ça comme solution. Hein, alors, écoute, moi j'arrive avec des idées. Hein. Alors vraiment. Alors j'ai rajouté des catégories. Alors j'ai fait une liste de philosophes. Tu me diras, je te la passerai comme ça si j'en ai oublié. Tu me diras ça. Je te la passerai tout à l'heure. Donc il y en a une cinquantaine quand même. Hein. Et les catégories, donc on a vœux gras, on est d'accord. Hein. Ouais, on a sympatoche. Oui. Et j'en ai rajouté une, c'est sur la pile. Salut Claire. Tu vois les trucs, ça fait longtemps qu'on entend parler, on les lit toujours pas. Ah oui, oui. Je pense que la catégorie sur la pile est assez importante. Oui. Chez Père. Chelou. Oui. J'ai rajouté la catégorie mouif. Mouif, 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 voilà. C'est ça. Pas mal. Donc il y a la catégorie, j'ai rajouté aussi bibelot. Tu as des trucs très surfaits. Les machins, tout le monde dit que c'est, mais en fait, bof. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense que bibelot, catégorie casse-couille, donc ça, on avait déjà. Catégorie peine à jouir. Je pensais que c'était pas mal. Donc on a la catégorie baltringue. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas loin de sac à merde, et en fait, des fois, on va être partagé. Tu vois, parce que la plupart des baltringues sont aussi des sacs à merde. Oui, oui, oui. Mais il y a des philosophes chez Père qui sont aussi vœux gras. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, chez Père, c'est plutôt sympa. Oui. Oui, par contre, pour les baltringues, c'est compliqué. On ferait, c'est un baltringue, mais c'est un sac à merde. Alors, je pense que dans la catégorie baltringue, quand on a affaire à un sac à merde, si en plus c'est un baltringue, autant le foutre dans les baltringues. C'est-à-dire déconsidérer absolument sa prétention à philosopher. Alors qu'à Heidegger, on ne peut pas déconsidérer, mais ça fait un beau sac à merde. Voilà. Carl Schmitt, plutôt sac à merde. Léo Strauss, plutôt sac à merde. Finkielkraut, plutôt baltringue. Même si c'est un gros sac à merde. Oui, oui, plutôt, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, tu vois Bernard-Henri Lévy, plutôt baltringue. Plutôt aussi. Baltringue, voilà, c'est malgré, ça. Malgré d'assez fortes prétentions à être un sac à merde. Un gros sac à merde. Alors qu'on avait Balek, donc c'est important, rien à foutre de celui-là, donc là, il y en a pas mal. Et j'ai rajouté donc aussi assez pas. Les gars, on les a jamais lus, on n'en a pas la moindre idée, tous les deux. Des fois, on pourra pas répondre parce qu'aucun d'entre nous n'a soit lu, soit eu accès au texte. On sait que c'est peut-être bien, Bon, assez pauvre. Ah, pas lu. Assez pauvre. Oui, voilà. Très bien. Oui, voilà. Oui, oui, ça te va, la catégorie assez pauvre? Elle est très importante parce que oui, faut aussi pouvoir délimiter précisément des espaces d'ignorance qui sont inévitables. Ben oui, ça pourrait même être une catégorie très pleine. Hein. Voilà, donc il y a les sur la pile, il y a c'est pas, donc il y a quelques petits trucs en plus qui devraient nous aider quand même à classer les cas compliqués. Voilà, et donc sinon j'ai fait une liste d'une 50aine de philosophes, je te la passerai, et puis... Ah, des fois ça hésitera pour moi entre assez pas et sur la pile. J'ai bien envie, mais pourtant... J'ai tellement... La pile est déjà tellement grande. C'est ça, et notre vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire finie et bordée par deux étendues de néant. Mmh, ouais. Oui. Exactement. Voilà. Voilà, donc c'est pour bientôt. Je vais faire des tas de petites icônes pour toute cette bande de zozo. Et donc, assez tôt, on devrait se faire une perte de temps considérable, tous les deux, en perdant une heure de notre vie précieuse. Donc, oui. Contre exactement ce que tu viens de dire. Donc de cette vie finie, voilà. Bordée. C'est ça, on va cramer une heure juste pour faire une tier list de philosophes. Et sans savoir pourquoi. Pourquoi insister? Pourquoi persister dans notre... je ne sais pas. C'est ici la Leibniz Party, oui, Quentin, c'est ici la Leibniz Party. Bienvenue à bord, bienvenue les gens. On vous accueille pas à pas. J'ai lancé le live avec un tout petit peu de retard ce soir. Donc on va commencer dans 2-3 minutes à 40. On essaie de se mettre un peu en jambes. On vous le dit tout de suite. Gabriel et moi sommes des demi-intervenants, des demi-streamers. Alors même à deux, je suis même pas sûr qu'on fasse un être humain. On va pas faire un streamer entier en fait, même à deux. Ouais. Ça supposerait une parfaite coïncidence de nos cafouillages. Ah oui, ça voudrait dire qu'on... Ouais, parce qu'effectivement, être deux moitiés, mais si on est la même moitié, vous avez quand même qu'un demi-mec. Si on est la même moitié de guignol... Ah, c'est con. Ouais, c'est pas parce qu'on est deux moitiés qu'on va se compléter, quoi. Rien de tout ça, en fait. Alors, ouais, pour l'instant, c'est ça. On parle d'inscrire la chute des philosophes sur des listes. C'est très con, mais j'ai envie. Peut être aussi très rigolo. Ça peut être très rigolo. Et ça peut nous plonger des fois dans des abîmes de perplexité. Il y a forcément des moments où on va se poser beaucoup de questions, déjà sur nos lectures. Je crois qu'on va rencontrer des tas de noms qui nous rappelleront combien nos lectures sont parfois plus très fraîches. Je pense qu'il y en a un bon paquet de philosophes. Ah oui, au fait, il est comment déjà? Oui, mais il y a un bon paquet de philosophes. Ça fait probablement 20 ans que j'y ai pas mis le nez. C'est ça, hein. Ouais, ben, ça va être un peu ça aussi. Ouais. Ouais, là, il y a des gens... J'ai des vagues souvenirs sympatoches, mais en fait, pas sûr. Hein. Voilà. Donc, je vais enlever peut-être le petit bazar là, qui cache ma tronche d'idiot. C'est là, voilà. Et on me voit... Et je vous dis bonsoir les gens. Donc ce soir, on va poursuivre avec Gabriel les lectures de ce séminaire, les actes du séminaire engagé par Michel Duchet et Michel Gellet sur langue et langage de Leibniz à l'encyclopédie. Petit tracé étonnant pour moi, puisque presque contradictoire à ma façon de voir les choses. Alors là, vous le voyez à l'envers parce que, évidemment, je ne suis pas un foirage prêt. Mais sachez que langue est au singulier et langage au pluriel. De mon point de vue, évidemment, c'est plutôt le contraire, les bons. Voilà. C'est comme ça, du Dr. Watch. Et il faut composer avec un livre envers lequel nous pouvons entrer parfois en contradiction. Ce séminaire réunissait toutes sortes de gens pour lesquels langue et langage pouvaient être un objet, pouvaient être une question, et ils sont nombreux. Ce qui fait que cette question, qui est fortement historicisée dans le cadre de ce séminaire, il s'agit quand même d'aller chercher quels furent les rapports aux langues et au langage entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais pour autant, la possibilité de s'adonner à cette expertise, évidemment, prend corps dans les théories contemporaines du langage, contemporaines, disons, au minimum de ceux et celles qui la s'y donnent, c'est-à-dire dans les années 70. Donc pour nous, il y a un double effet de plonger dans l'histoire, puisque à la fois nous écoutons ce qu'ils ont à dire sur des théoriciens et des philosophes du XVIIe et XVIIIe, et nous sommes en train de lire des gens qui sont déjà séparés de nous de 50 ans, et ça n'est pas rien, théoriquement, politiquement, socialement, voilà, tout ce que vous voulez de ce genre. Donc je ne sais pas si vous avez un peu suivi le live précédent, j'espère qu'un petit peu, sinon ça va être compliqué pour vous, mais j'ai trouvé un texte, j'ai trouvé un truc qui pourrait nous introduire en fait à tout ça, pour être un peu marrant. C'est la thèse d'un garçon que je connais pas, que j'ai trouvé à une période où je faisais mes recherches sur... sur Leibniz pour préparer cette série de live. Et je suis tombé assez vite sur le site d'un gars qui s'appelle Alexandre Brunet et qui a fait une thèse qui n'a jamais fini. Comme beaucoup de thésards, je pense. Je pense que de ne pas finir sa thèse, ça doit être quelque chose d'assez courant. Oui. Et Alexandre Brunet donc, a son propre site qui est alexandrebrunet.com. Si vous voulez, je peux vous foutre le lien hop, ici. Copier, comme ça vous verrez un petit peu qui est cet homme et ce qu'il a foutu. Et il y a un des chapitres de sa thèse inachevée qui évoque la caractéristique universelle de Leibniz. Donc ce projet de Leibniz de composer une langue universelle dont le modèle est l'entendement mathématique et le formalisme mathématique dans l'espoir, pense-t-il, de résoudre tous les problèmes de compréhension, d'échange intellectuel entre les humains. Drôle de rêve, parce que, évidemment, la question qui n'est jamais posée, ni dans ce séminaire, ni tellement dans ces lives, dans cette série de lives, au fond, c'est est-ce que résoudre le babélisme est souhaitable? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment un inconvénient majeur? Est-ce qu'il y a une vraie perte anthropologique au fait que nous ne parlions pas les mêmes langues et que tous et toutes, déjà, nous nous comprenions même à l'intérieur d'une langue, pas sans parasites, pas sans perte. Est-ce que c'est vraiment aussi grave ou est-ce qu'au contraire, cette composante est riche et précieuse? Donc, je crois que vous connaissez un peu mon avis à ce sujet. J'aurais plutôt tendance à penser... Oui. L'ambiguïté du langage, tout ce qu'il y a de jeu possible au sens mécanique dans la langue, c'est ce jeu mécanique, ces espaces qui sont à la fois des zones de liberté et des zones où ça coince, ben c'est aussi ce qui fait qu'on peut jouer ludiquement avec la langue. Et à côté de ce plaisir dont on pourrait dire qu'il est motivé, conscient, investi par nous, il y a aussi ce qui nous échappe et qui est fondamental, c'est dans une forme langage assouvie dans des formes langues tout à fait fonctionnelles, eh bien, nous ne pourrions pas apparaître comme singularité. C'est-à-dire que la possibilité de pousser les murs de la signification pour devenir nous-mêmes partie prenante de celle-ci, c'est-à-dire pour nous signifier nous-mêmes en parlant, nous ne l'aurions pas, cette possibilité. Nous ne ferions que égrener le cadre inlassable et recommencer de la communication. Ce qui est tout à fait autre chose, évidemment, que de parler. Voilà, donc j'ai pensé que ce serait pas mal de vous lire le chapitre de la thèse d'Alexandre Brunet, donc de s'écarter un tout petit peu du texte pour nous remettre dans le bain des relations de Leibniz à son rêve de langue universelle par la bouche d'un autre, de quelqu'un d'autre, qui s'est penché là-dessus pour un petit chapitre de sa thèse, donc c'est pas très très long. Et on va voir ce qu'il en pense, on va voir ce qu'il en décrit, on va voir où ça nous conduit. Donc évidemment, comme d'hab, Gabriel, tu me coupes quand tu veux, oui. Etc., etc. Tu connais le principe. Fuse, c'est très vilain. Tu le sais que c'est très vilain. Alors, allons-y. Leibniz et son rêve d'un langage mathématique de la pensée. y a plein de rêves qui se superposent évidemment. Il rêve que la pensée soit elle-même structurée mathématiquement. Donc effectivement, il est bien question dans ce cas-là d'une superposition au langage, mais ce dont il rêve également, ce à quoi il rêve également, c'est à une langue mathématique. Donc il y a un double rêve qui se superpose là. L'une des étapes cruciales de l'histoire de la métaphore de l'esprit, comme une machine à calculer, consiste à interpréter la pensée comme un phénomène mathématique. Il pourrait dire que l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est une conséquence même d'une hypothèse, ben, c'est d'entraîner l'autre. On peut dire d'ailleurs qu'une bonne partie des sciences contemporaines dites cognitives sont prises dans ce rêve et entraînent forcément ces sciences. Elles entraînent elles aussi une hypothèse à être l'immédiate nécessité de l'autre. Déjà, nous avons vu que la tradition grecque considérait que les mathématiques élèvent la pensée vers la vérité. C'est le cas de Platon en tout cas, mais... Alors, j'ai peu de connaissances des rapports des Grecs aux mathématiques. Ça, moi, j'ai pas lu les grands, tu vois, Pythagore, Thalès, tout ça, j'ai jamais lu ça. Là, ça ferait partie sur la tier list de assez pas ou de sur la pile. Comment dire? Alors, Pythagore, est-ce qu'on fait rentrer dans les philosophes déjà? Est-ce qu'on fait rentrer, le chef d'une d'un petit groupe religieux avec son interdiction de manger de la viande et des fèves, avec son horreur des chiffres dits irrationnels, son obsession des rapports. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un philosophe ou est-ce que c'est un chef de secte? C'est compliqué, il peut bien être les deux, puisqu'il n'a pas au VIe siècle à peu près, avant l'ère chrétienne, si je me souviens bien. Donc le statut même du philosophe à cette époque, il est tout entier à construire. Alors c'est vrai qu'à l'époque, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on lui attribue le terme philosophie. C'est-à-dire que la légende, c'est Diogène Laërce. Oui, c'est ça. Hein. Qui rapporte cette anecdote qu'on aurait demandé à Pythagore s'il se considérait comme sage, comme sophos, sachant que le sophos du grec ancien, on peut le traduire par sage, on peut aussi le traduire par savant, c'est important. Ceux qu'on appelle par exemple les 7 sages d'Athènes, ce sont sept savants. On les appellerait aujourd'hui plus volontiers des savants. Pythagore donc aurait répondu non, je suis pas sage, je suis un ami de la sagesse ou un ami du savoir, suivant la manière dont on souhaite traduire philosophos. Donc ça rend les choses compliquées. Alors disons qu'on pourrait accepter. Il y a un problème supplémentaire d'ailleurs pour Pythagore. Si, à ma connaissance, on a 0 texte, quoi. Au moins pour des gens comme Empédocle ou Héraclite, on a des petits bouts de machin, mais pour Pythagore, c'est que dalle. Les seuls fragments qu'on ait, c'est du rapporté. C'est vraiment uniquement ça. Hein. C'est de l'apophthegme, du discours rapporté, de discours rapportés avec. Il n'est pas seul dans ce cas-là, avec, par exemple, Diogène de Sinope, Diogène le cynique, d'après Diogène Laërce. Il a écrit, il ne nous reste absolument rien de ses textes, à supposer que Diogène Laërce que ce que disent Diogène Laërce soit exact. Supposer qu'il soit fiable. Ouais. Mais ce qui est rapporté de Diogène le cynique, c'est rapporté de plein de sources différentes. Mm. Et il a des tas de contemporains, alors qu'avec quand il s'agit de Pythagore, on est davantage dans la situation de l'homme qui a vu l'ours. Mais enfin, par exemple, il n'y a pas chez Aristote l'idée que le réel soit mathématisable. Donc, quand il parle de la pensée grecque, il y a des tas de philosophes chez qui c'est pas le cas. Chez Zénon, on parlait très rapidement de Zénon tout à l'heure. Les paradoxes de Zénon consistent à montrer que les mathématiques ne permettent pas de penser le réel. Le paradoxe de la flèche de Zénon, alors pour rappel, le paradoxe de la flèche de Zénon, c'est que la flèche n'atteint jamais sa cible si on formule mathématiquement le trajet de la flèche. Et c'est ça, parce qu'il la présente comme sans cesse divisible, mais en ne tenant compte que, évidemment, de l'espace, de la distance, donc comme une espèce d'abstraction détachée du mouvement et de la force. Elle franchit d'abord la moitié du chemin, puis la moitié du chemin qui lui reste à faire, puis la moitié du chemin qui lui reste encore à faire, la moitié du chemin qui lui reste encore à faire, etc., etc., etc. Alors Diogène de Sinope, Diogène le cynique, se moquait des disciples de Zénon en marchant devant eux, pour leur montrer que le mouvement était bien possible. Mais donc là, pour le coup, Diogène avait rien compris au film, parce que le but, c'est pas de montrer que en tout cas, le but de Zénon, c'était pas de montrer que le mouvement était impossible, c'était de montrer que le mouvement n'était pas mathématisable, que les mathématiques sont impuissantes à dire le réel. Donc on parlait de la pensée grecque qui considère les mathématiques. C'est vrai pour Platon. Devant l'Académie, il y avait « Nul n'entrera ici s'il n'est point géomètre », parce que dans la métaphysique de Platon, les idées sont derrière les formules mathématiques et géométriques. C'est-à-dire que dans la progression vers les idées, si on veut bien faire, on doit passer par la géométrie et par les mathématiques. Mais Platon est seul dans ce cas-là. Donc, ce que nous dit Brunet, c'est ça. Il dit « déjà nous avons vu ». Bon, ça veut dire qu'on est dans sa thèse et on n'est pas au début de la thèse. Donc, je ne sais pas comment il en est arrivé à ce « déjà nous avons vu » quand il dit que la tradition grecque considérait que les mathématiques élèvent la pensée vers la vérité. Voilà. Ce qui suppose évidemment déjà une hiérarchisation, on pourrait dire, des cadres de la pensée, des modes de la pensée, des objets de la pensée, puisque les mathématiques ne sont pas présentées comme un chemin ou un territoire de la pensée, mais plutôt comme une ascension. Chez Descartes, les mathématiques sont une méthode par excellence pour guider son esprit. Mais dans les deux cas, la pensée n'a pas encore un caractère proprement mathématique. Donc, en elle-même, comme cours et comme construction. Ce pas sera franchi par Gottfried Wilhelm Leibniz. C'est dans son ouvrage classique, La logique de Leibniz, que Louis Couturat, donc ça, le Couturat, on en a beaucoup parlé pendant les précédents lives, c'est un Leibnizien assez précieux parce qu'il a travaillé d'après des fragments jusque-là inédits au début du XXe siècle, donc tout début. Et je vous ai mis sur le Discord à disposition le texte complet de Couturat sur Leibniz. Comme ça, si vous voulez vraiment savoir de près à quoi ça ressemble, il y a tout à fait moyen. Alors attends, là... Leibniz, il vient avant ou après Spinoza? Parce que là, je suis vraiment pas d'accord du tout avec sa thèse. Si Leibniz, parce que il vient après. Leibniz vient après Spinoza. Donc pour moi, oui. Qu'est-ce qu'il dit à propos des mathématiques et de Leibniz, que c'est le premier? Alors, ce qu'il dit à propos de Leibniz et des mathématiques. si je ne parle pas mon texte, hein. Il dit, dans les deux cas, à propos de Descartes et de la philosophie grecque, la pensée n'a pas encore un caractère proprement mathématique. Ce pas sera franchi par Gottfried Wilhelm Leibniz. Donc la vision vraiment mathématisée de l'organisation de l'esprit. Mais sauf que non, parce que Spinoza, son éthique, le titre complet de son éthique, c'est l'éthique démontrée à la manière des géomètres. Elle est vraiment, Spinoza essaye vraiment de démontrer son éthique à la manière des géomètres. C'est-à-dire que comme dans les éléments d'Euclide, il part d'axiomes, donc de vérité acceptée telle qu'elle est considérée comme indémontrable, de sa première série d'axiomes, il va arriver à une première série de conclusions, et les conclusions se nourrissent les unes des autres. Enfin, c'est vraiment complètement inspiré des éléments d'Euclide, enfin, et puis des traités de géométrie d'une manière générale. On est vraiment complètement dans cette idée que la pensée est mathématisable, et que le plus haut degré de vérité auquel on puisse accéder, c'est en se conformant à la méthode mathématique. Voilà, donc oui, est-ce que ce que Descartes fait dans les principes de la philosophie, c'est assez similaire. Il associe, c'est vraiment très curieux comme bouquin, il associe à chaque démonstration une figure géométrique. Comme s'il développe en parallèle un raisonnement géométrique, enfin une démonstration géométrique et un raisonnement philosophique, comme si les deux étaient le pendant exact l'un de l'autre. C'est une vision territoriale de l'esprit. Et Leibniz s'y oppose, justement. Il se défie complètement de la géométrie, puisqu'il la voit également en mal de décrire la réalité, sans recourir à son tour à l'arithmétique. Et donc, il la considère comme, tu vois, vassalisée. Elle doit toujours recourir à un certain moment pour s'exprimer à autre chose que ses propres figures. Donc, les figures, à un moment, sont mathématisées en équation et en description mathématique. Donc, parmi les propositions de Leibniz, il y aura aussi celle de prendre ses distances, tu vois, avec cette vision géométrique. Donc, c'est dans son ouvrage classique, La logique de Leibniz, que Couturat a mis en évidence en 1901 les principaux éléments conceptuels d'une métaphore de l'esprit comme machine mathématique, au sein d'une œuvre immense, mais alors dispersée dans des documents encore inédits. Alors, il l'était donc jusqu'au moment où Couturat a décidé de les rassembler pour faire son gros essai, hein. Et je vous le répète, disponible dans le Discord. Bon, après, cette vision, je dirais qu'elle va ouvrir la porte à tout un pan de la philosophie logicienne, et des métaphores mathématiques, machiniques de l'esprit vont fleurir énormément au XVIIIe siècle. Je pense à la métrie, par exemple, et l'homme-machine, mais il y en aura vraiment beaucoup, quoi. Déjà en 1666, alors à peine âgé de 20 ans, Leibniz publie De Arte Combinatoria, donc de l'art combinatoire, dans lequel il défend l'idée que la logique doit reposer sur une méthode infaillible de déduction d'idées vraies. Mais Leibniz innove en proposant de s'intéresser à la composition des idées. Donc, vous voyez là, il cherche une configuration, en fait, un formalisme qui serait implicite aux idées elles-mêmes. On a bien compris que la pensée leibnizienne est vraiment faite d'assonances constantes entre forme de la raison, au sens organisation de la pensée de Dieu, hein, forme du monde, donc organisation du monde des choses, forme de l'esprit, forme de l'idée, et évidemment le dernier ressac de cette configuration inlassablement répétée, c'est forme du discours, forme du langage qu'il cherche. Mais Leibniz innove en proposant de s'intéresser à la composition des idées. Selon lui, il propose de décomposer toute idée complexe en un ensemble d'idées plus simples. Ça, on l'avait déjà vu. Hein. Puis de recommencer jusqu'à atteindre les idées les plus simples, primitives et indémontrables. Ce sont les termes de Leibniz. Il est à la recherche de ce qu'il appelle lui-même un alphabet général de la pensée humaine. Donc là, le terme d'alphabet est détourné un petit peu abusivement, on pourrait dire un bréviaire, comment on pourrait vraiment employer un bon terme pour parler de... C'est un tableau des éléments, bah, en fait, c'est ça qu'il cherche. En fait, le truc, c'est surtout qu'il n'a pas envie, il a pas envie d'utiliser le terme d'axiome, parce que primitif et indémontrable... Oui, a priori, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. À mon avis, je me demande s'il n'y a pas une part de... voilà, Leibniz n'a pas envie de trop ressembler à Spinoza de ce point de vue-là, donc je n'ai pas envie d'appeler les axiomes, mais ce sont des axiomes, plus qu'un alphabet. Ouais, enfin, détail près, c'est que l'idée quand même, c'est de recourir à une espèce d'épluchage comme ça, premier, pratiquement comme une réduction, comme le feront plus tard pour les phénoménologistes, une réduction là plutôt ontologique, pour arriver à un état où on pourrait plus couper dans l'organisation. Un axiome est toujours assez complexe, parce que c'est toujours une organisation de... Ah, non, au contraire. Un axiome géométrique ou mathématique qui sont... l'axiome de base des mathématiques, c'est 1 plus 0 égale 1. Bah, c'est déjà décomposable en beaucoup de choses. Ah non, pour Leibniz, si, c'est déjà décomposable en une belle série de choses. Il y a déjà des unités de signification complètement isolables les unes des autres dans sa quête. On est déjà dans une complexité. Enfin, vu ce qu'il cherche à cet endroit-là, il cherche vraiment à aller à la racine. C'est pour ça qu'on évoquait dans le dernier live un moment où il y avait une comparaison avec les nombres premiers. Le moment où tu peux même pas diviser un nombre par d'autres, sauf par lui-même. Et là, on va, à la racine de la racine de la racine. Le moment où une chose, un petit peu comme dans la pensée atomiste, si tu veux, n'est plus sécable, quoi. L'axiome dont tu me parles, bah, au fond, il est déjà sécable, il a déjà un vocabulaire mathématique, une organisation, un signe d'équivalence, un signe d'addition, il implique au minimum de chiffres. Bon, c'est déjà complexe. On voit bien que Leibniz, il veut aller à un endroit de la pensée. Je ne dis pas que ça existe. Hein. On est d'accord. J'essaie de comprendre ce qu'il veut, quoi. D'accord, oui. Parce que quel que soit le... Quel que soit l'axiome que tu prennes, quel que soit le degré de simplicité auquel tu arrives, si tu changes de domaine, si tu changes de point de vue et que tu examines le même objet, tu vas y trouver non pas un atome, mais un composé. Parce que encore une fois, du point de vue des... par exemple, on change d'axiome. Du point de vue de la géométrie, par un point extérieur à une droite, on ne peut faire passer qu'une seule parallèle à cette même droite. Le 5e axiome de la géométrie d'Euclide. Du point de vue interne à la géométrie, c'est une formulation qui est extrêmement simple. Et puis, il y a un point et une droite. Bah, c'est déjà deux choses pour lui. C'est deux choses. Oui, c'est au minimum deux choses. Et la façon dont ils sont articulés pour arriver à une hypothèse et une déduction, pour Leibniz, là où il va... C'est ce que je veux dire, c'est que du point de vue de la géométrie, c'est une chose. Mais si tu examines la géométrie du point de vue du langage, effectivement, c'est pas cet objet qui, du point de vue de la géométrie est un objet simple, du point de vue du langage devient un objet complexe. Je suis à peu près certain que si tu examines des objets du langage d'un autre point de vue, tu découvres que ces atomes ne sont pas des atomes, mais des composés. C'est ce que je voulais dire, en fait. Il n'y a pas de... Effectivement, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de point. Enfin, on va voir comment... Voyons comment Leibniz procède, même s'il veut atteindre... l'endroit où aucune décomposition n'est plus possible, quoi. Les signes ou les symboles de cet alphabet universel devraient permettre ensuite de composer les idées, comme les lettres permettent de composer des phrases. Donc on a déjà vu l'échec de cette organisation de la pensée, bien entendu, puisque Évidemment, le statut des lettres est très particulier. C'est combiné, elles renvoient à des signes acoustiques. Ce sont des signes graphiques qui renvoient à des signes acoustiques. Donc la question d'en voir une composition d'idées est hautement étrange. Et elles n'ont pas de valeur en elles-mêmes, si vous voulez. En tout cas, pas à l'endroit où on pourrait imaginer toucher quelque chose qui serait une espèce d'unité conceptuelle. En vérité, elles ne sont que des unités conventionnelles renvoyant à des phénomènes physico-linguistiques. Donc c'est très compliqué d'accepter cette comparaison un peu bizarre, un peu chelou. Leibniz espérait que le nombre d'idées simples soit restreint pour permettre l'apprentissage rapide et naturel de cette langue universelle des concepts. Alors là aussi, il y a l'idée qui est assez fantasque, qui repose sur toute l'ambiguïté du mot simple, quoi. C'est pas parce qu'on arrive à un concept dont l'énoncé est extrêmement simple et qui semble ne provoquer aucune fissure en lui-même qu'en vérité, il soit simple à comprendre, à appréhender, à intérioriser. Ça ne me semble pas quelque chose de superposable, la notion de simple. En fait, l'organisation multiple est superposée ici à l'idée de complexité. C'est des choses qui n'ont pas beaucoup de rapport. C'est marrant parce que c'est le même... c'est la même critique qui a été faite à Descartes très tôt, donc par des contemporains de Descartes qui lui écrivaient des lettres pour signaler, pour lui poser des questions, signaler des problèmes de sa philosophie, ou des problèmes qu'il percevait dans sa philosophie. Et c'est ce que Descartes appelle une idée, une intuition claire et distincte. Par exemple, le cogito. Donc, cogito ergo sum, je pense, donc je suis, ça fait partie de ces intuitions claires et distinctes. Qu'est-ce que ça veut dire, une intuition claire et distincte? À quel moment on décide que telle intuition est claire et distincte, et puis que cette intuition claire et distincte, on peut s'en servir comme base, et que telle intuition qui est hors champ et floue, je sais pas, ou bien qu'elle est un peu plus floue. Enfin, c'est quoi le degré de gradation? Il y a nécessairement un degré de gradation. Il y a dans ce qui est clair, du clair vers le flou et du distinct à l'informe. Comment on établit ces gradations? À quel moment est-ce qu'une... C'est quoi la limpidité parfaite que semble supposer Descartes? Parce que ce que semble supposer Descartes, c'est qu'il y a certaines intuitions qui ont un tel caractère de limpidité qu'évidemment, elles vont universellement être acceptées comme des intuitions claires et distinctes. Donc, ce sur quoi on va pouvoir baser l'intégralité de la pensée. Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur le fait que l'évidence repose aussi sur un consensus socio-historique. Et c'est un truc qu'il faut garder en tête quand on parle des choses qui nous semblent évidentes. Si elles nous semblent évidentes, généralement, c'est parce qu'elles sont inextricables d'un tissu, lui, riche et complexe, dans lequel nous baignons, nous nous déplaçons et nous pensons. Leur caractère d'évidence, généralement, n'est vraiment que très artificiel et très illusoire. D'autre part... en philosophie, mais comme dans tous les domaines de la pensée, l'approche d'une chose simple se fait avec des modes, des questionnements qui ne sont pas simples, qui sont ouverts aussi à de nouvelles complexités. Donc le rêve leibnizien est un rêve qui suppose qu'à un certain moment, on atteigne une espèce d'unité qui effectivement pourrait se passer de tout environnement, de toute histoire. Au moment de concevoir sa première ébauche de ce qu'il appellera sa caractéristique universelle, Leibniz ne s'intéresse pas encore aux mathématiques. Ce n'est qu'à partir de 1672, pendant un séjour à Paris, qu'il commence l'étude des mathématiques. Cette discipline aura un impact majeur sur la manière dont Leibniz conçoit l'art combinatoire. Le voilà maintenant qu'il conçoit les règles de la composition et de déduction de sa langue universelle des concepts comme des règles mathématiques, profitant par le fait même de leur universalité et de leur rigueur. La clé de son projet de caractéristique universelle réside maintenant de ce qu'il nomme en latin le calculus ratiocinator, donc le calcul logique. La composition des idées complexes à partir des idées simples et la déduction des vérités devient alors une affaire de calcul. Donc ça, on a déjà vu dans les lives précédents qu'évidemment, ce caractère computationnel correspond assez mal, en fait, à un nombre considérable d'opérations des énoncés. Alors, Leibniz n'aura de cesse, dans ce cas-là, pour faire fonctionner son hypothèse, que d'écarter tout ce qui ne marche plus sur le système computationnel comme des parasites, des choses inutiles, annexes, subalternes. La vérité, c'est qu'il doit faire un tri drastique, des coupes extrêmement franches dans les échanges humains pour parvenir à l'idée que le mode computationnel soit celui des énoncés, du discours et du langage. Au fur et à mesure qu'il perfectionnait ses connaissances mathématiques, donc, sa caractéristique universelle s'étoffait en métaphores mathématisées. Le calcul logique devait être analogue au calcul arithmétique ou algébrique, donc une superposition qui est souvent tentée. Enfin, les formalismes logiques empruntent beaucoup au formalisme mathématique. Complètement. Cela exige la définition des règles de ce calcul, des règles universelles de composition et de déduction des idées vraies. Leibniz y voyait l'ultime méthode de discussion philosophique, une méthode qui aurait la vérité et l'exactitude des mathématiques. Évidemment, comme elles n'en ont pas l'objet, vous imaginez bien qu'on va droit dans le mur. Alors, on a déjà cité ce passage de Couturat, donc je vous le refais rapidement, mais il nous montre bien les dispositions d'esprit dans lesquelles se trouve Leibniz à ce moment-là. Il ne sera plus besoin entre deux philosophes de discussion plus longue qu'entre deux mathématiciens, puisqu'il suffira qu'ils se saisissent de leurs plumes, qu'ils s'asseyent à leur table de calcul, en faisant appel s'ils le souhaitent à un ami, et qu'ils se disent l'un à l'autre « calculons ». On avait déjà, on avait déjà lu cet étrange passage du Couturat. Le projet de la caractéristique universelle repose aussi sur la nécessité de définir un symbolisme adéquat pour exprimer les idées simples. Je ne saurais trop insister sur l'importance de la notion et de la notation, pardon, et du calcul symbolique aux yeux de Leibniz. Oui, on a bien compris qu'un des artifices par lesquels le fonctionnement de son rêve pouvait se soustraire à, j'irais, plein de difficultés propres aux échanges verbaux, c'était avant toute autre chose de faire de sa caractéristique une langue écrite, sans souci, en fait, des types de liens qui existent dans la vie sociale, dans la vie humaine, dans la vie historique, entre les énoncés verbaux et l'écriture, qui sont des choses, je dirais, ontologiquement disjointe, puisqu'une société peut complètement vivre sa vie de société verbale sans avoir le moindre recours à l'écriture. Ça ne change rien du point de vue de la langue. Enfin, ça ne change rien fonctionnellement, structurellement, etc. Ça change par la suite, parce qu'évidemment, quand une société produit des textes, ces textes ont des effets sur les échanges humains. Ils sont des champs de métaphores, ils sont des champs illustratifs, ils remplissent les dictionnaires, si vous voulez. C'est pour ça que la philologie existe. Mais justement, la linguistique peut tout à fait étudier une société sans écriture, et la philologie, hélas, reste à la porte. La métaphore de la pensée, comme caractéristique universelle, procède ainsi du domaine concret de la notation et du calcul au domaine abstrait des idées et des vérités mathématiques. Couturat remarque d'ailleurs à quel point Leibniz est conscient de l'importance d'une bonne notation. C'est aussi l'exemple de l'algèbre que Leibniz cite constamment pour montrer combien un système de signes bien choisi est utile et même indispensable à la pensée déductive. Bon, on a envie de rajouter, oui, pour faire de l'algèbre. C'est ça. Citation, une partie du secret de l'analyse consiste dans la caractéristique, c'est-à-dire dans l'art de bien employer les notes dont on se sert. La caractéristique renvoie clairement au caractère employé. Plus généralement, le développement des mathématiques et leur fécondité tient, selon Leibniz, parce qu'elles ont trouvé des symboles commodes dans les chiffres arithmétiques et dans les signes algébriques. Je vous rappelle qu'il avait choisi de, à un certain moment, pour commencer le boulot, hein, de chiffrer les concepts, tu vois, de leur assigner les idées simples pour voir si ça marchait, hein. Une espèce de combinatoire, de substitution avec des signes mathématiques. Ce qui, en soi, n'a pas beaucoup de sens. On avait déjà évoqué ça à propos de... Comment on dit ? C'est pas parce qu'un signe est mathématique qu'il est mathématique. Voilà. Et pour qu'il soit mathématique, il faut qu'il soit pris dans un environnement mathématique. L'exemple que j'avais choisi, c'est le Sudoku, qui n'est pas un jeu de chiffres, mais qui emploie des chiffres pour faire ses compositions. Mais vous pouvez remplacer ça par n'importe quoi. Par des symboles arbitraires de... C'est quoi déjà la police? C'est Winding, Winding. Voilà, exactement ça. Voilà. Les dingbats, voilà, vous pouvez remplacer ça par des dingbats, ça marche tout aussi bien. Donc, le symbole lui-même ne garantit pas une forme d'usage unique du tout. Et il ne peut pas dire que nous sommes dans les mathématiques parce que nous utilisons des signes mathématiques. Si au contraire la géométrie est relativement moins avancée, c'est parce qu'elle a manqué jusqu'ici de caractère propre à représenter les figures et les constructions géométriques. Et si on ne peut la traiter analytiquement qu'en lui appliquant le nombre et la mesure, c'est parce que les nombres sont les seuls signes maniables et appropriés qu'on possède jusqu'à présent. Ce que je te disais tout à l'heure, l'objection que Leibniz pouvait faire, par exemple, à la géométrie cartésienne. Aussi, Leibniz va-t-il jusqu'à dire que les progrès qu'il a fait faire en mathématiques viennent uniquement de ce qu'il a réussi à trouver des symboles propres à représenter les quantités et les relations. Et c'est vrai qu'on lui doit effectivement des marquages symboliques et une rationalisation finalement de l'écriture mathématique. Alors, je ne sais plus dans quel terme exactement, mais il a concouru à foutre un peu d'ordre dans la notation mathématique. Et en effet, il n'est pas douteux que son invention la plus célèbre, hein, donc celle du calcul infinitésimal, ne procède de sa recherche constante de symbolismes nouveaux et plus généraux, et qu'inversement, elle n'ait beaucoup contribué à le confirmer dans son opinion sur l'importance capitale d'une bonne caractéristique pour les sciences déductives. On peut même dire que ça l'a un peu enferré dans cette certitude. Je ne sais pas ce qu'est le calcul infinitésimal, donc s'il y a des matheux qui peuvent... à moins que tu saches, toi. Tu sais bah, super. Oui, ce qu'on appelle un infinitésimal en mathématiques, déjà, c'est l'opposé d'un infini. Donc un infinitésimal, c'est 0,000, une infinité de zéros. Et au terme de cette infinité de zéros, il y a un petit 1 qui est perdu. Voilà ce que c'est qu'un infinitésimal. Leibniz et Newton, c'est un de ces cas où une découverte est faite de manière contemporaine par deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas en lien et qui cherchent à résoudre des problèmes entièrement différents. Leibniz et Newton vont mettre au point des méthodes, et une méthode similaire, je crois, en plus, pour additionner ces infinitésimaux. Donc, comment on additionne entre eux une infinité, d'infinitésimaux pour obtenir un résultat, et c'est utile notamment pour dans des calculs de fonctions, pour déterminer des aires, les aires qu'occupent certaines fonctions séquentes, etc. Ah, il faut que j'aille mettre une bûche. Merci, Gabriel. Bah, c'est le moment ou jamais de leur raconter une blague, hein. Oh merde, un infinité, c'est mal, ça fait trop pisser. C'est en gros dès qu'on met de quoi un hypertexte, c'est en gros dès qu'on met de trois petits points. Quel est le sens de cette remarque sibylline? Je comprends pas. Incroyable, j'ai réussi à ne pas me prendre les pieds dans mon casque. Ah, élucide-moi ça. Comment est-ce que tu peux te prendre les pieds dans un casque qui est sur ta tête? C'est parce que à chaque fois que je l'enlève, il y a un fil de 3 mètres qui pend et je me prends systématiquement les pieds dedans. C'est comme ça que j'ai arraché les cartes son tout à l'heure. Ah d'accord, ok. D'une manière générale, Leibniz insistait sans cesse sur l'utilité des schèmes géométriques pour illustrer les spéculations abstraites. Sans doute, il ne faut pas raisonner sur la figure et remplacer la déduction par la simple inspection. Il est même bon d'apprendre à raisonner sans aucune figure. Mais d'autre part, les schèmes, comme les signes en général, sont d'un grand secours à l'entendement en lui donnant pour appui et pour guide l'imagination. Alors un schème, je crois que vous l'avoir déjà dit, c'est un modèle formel d'organisation des concepts, hein, qui permet de rendre compte d'une réalité quelconque, expérimentale, et qui peut s'y substituer pour l'organiser rationnellement. Voilà, voilà. La valeur d'une démonstration ne doit pas dépendre de la figure, mais la figure sert à la rendre sensible par l'analogie de sa construction avec les relations intelligibles dont elle peint l'enchaînement. Bon, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière à cette phrase, j'espère. Ainsi, de même que par le symbolisme des nombres caractéristiques, Leibniz ramenait en quelque sorte la logique à l'arithmétique, eh bien, il ramenait à la géométrie au moyen du schématisme linéaire où les déductions se traduisaient par des constructions. Il ouvre les guillemets, Couturat, en disant « en menant des lignes », hein, donc qui conduisent d'un endroit à un autre, hein, dans une relation, si vous voulez. Mais si l'utilité semble à l'honneur ici, il ne faut pas en déduire pour autant que Leibniz subordonne la vérité à l'utilité. À ce sujet, Leibniz n'est pas gêné d'employer le terme « analogie », qu'il interprète en son sens grec de « proportion mathématique », pour désigner le rapport entre les signes de sa caractéristique et, alors là c'est un truc dont on parlera beaucoup dans le chapitre qu'on va observer, hein, et les objets du monde matériel ou même du monde intelligible. Parce qu'en fait, Leibniz répugnait à l'idée d'un arbitraire du signe. Voilà. C'est quelque chose qu'il ne peut pas imaginer, et notamment, puisque son ambition, vous l'avez bien compris, c'est de faire résonner finalement dans les moindres détails de l'ordre du discours une logique à l'organisation du monde des choses, ce point de contact, d'une certaine manière, doit être maintenu. Il doit trouver là aussi des ponts analogiques entre les formes du monde et les termes pour le décrire. Donc ce qu'on appelle, si vous voulez, un cratilisme, hein, à l'exemple de cet important texte de Platon, hein, dans son Cratyle, où justement la discussion entre Socrate et Cratyle se fait sur cette base de questionnement. Mais ça, on en parlera très longuement tout à l'heure, puisque c'est l'objet de toute façon de l'échange dans le séminaire. D'accord? Alors, en effet, quand les nominalistes de son époque affirment que l'arbitraire, dans le choix d'une bonne notation, interdit à sa caractéristique d'exprimer une quelconque vérité, donc les nominalistes, ce sont tous les philosophes, les intellectuels, pour lesquels les mots ne sont que des mots. Les noms des choses ne sont que des noms des choses qui n'ont pas caractère de représentation motivée. Ils n'ont pas de rapport descriptif du monde. Ce sont des sons organisés en mots. Et ça n'a rien d'autre que ça. Et ils n'ont pas de point de contact descriptif, hein, avec les réalités auxquelles ils se rapportent. C'est ça la position nominaliste. Leibniz répond péremptoirement que si les signes sont arbitraires, les relations entre ces signes qui expriment ou constituent les propositions ne sont nullement arbitraires pour cela. Donc vous voyez, on l'avait déjà vu, je crois, la dernière fois, hein, il retrouve de la figuration, si vous voulez, à un endroit où elle peut s'exprimer selon lui, c'est dans la façon dont les termes, par exemple, d'une organisation d'une idée, peuvent bien avoir, par les signes qui les représentent, un caractère vaguement arbitraire, enfin en tout cas ne pas être forcément représentant de façon intelligible ou sensible des réalités auxquelles ils se rapportent. La forme de leur organisation, elle ne l'est pas. Si vous voulez, on pourrait imaginer que les formes de relations peuvent puiser dans l'organisation du monde, dans des modèles qui sont des modèles de constitution et d'organisation de la matière, par exemple, ou des choses entre elles. C'est-à-dire une sorte de socle, de support, d'organisation, qui lui pourrait être en quelque sorte resignifié par la forme des propositions, la façon dont les éléments qui constituent les propositions s'organisent finalement à l'intérieur d'elles, comme, je ne sais pas, un arbre ou une molécule, que sais-je. Les propositions ne sont nullement arbitraires pour cela, en tout cas les relations entre les signes, et qu'elles sont vraies ou fausses, suivant qu'elles correspondent ou non aux relations des choses signifiées. Donc retrouver entre les choses signifiées un mode de relation qui, lui, d'une certaine manière, soit figuratif, quoi. Non, on peut dire ça comme ça. Ainsi, la vérité consiste dans la connexion des signes. En tant qu'elle répond à la collection réelle et nécessaire des idées ou des objets. Donc nécessaire, hein, qui leur est propre, qui n'est pas quelque chose qui serait extérieur à eux et qu'on pourrait leur rajouter. Ils ne sont pas accidentels, si vous voulez, pour emprunter la terminologie aristotélicienne, quoi. Et nécessaire des idées ou des objets, laquelle ne dépend pas de nous. Ou pour mieux dire, elle consiste dans cette similitude des relations des signes et des relations des choses, qui constitue une analogie au sens propre et mathématique du mot. C'est-à-dire le rapport de proportion, vous vous en souvenez, proportion ou égalité des rapports de proportion. On peut même échanger à volonté le système de signes. Donc vous voyez, à l'intérieur des systèmes de signes, au fond, il n'est pas si important que les caractères en question soient tels ou tels. Mais dès l'instant où on garde la forme de leur organisation, on garde la vérité de la relation. Vous voyez, on garde le système dans lequel ils s'inscrivent. On peut changer à volonté le système de signes sans que pour cela la vérité change, ni dépende de notre bon plaisir. Parce que quels que soient les symboles choisis, il y aura un arrangement de ces symboles et un seul qui sera vrai, c'est-à-dire qui correspondra à l'ordre réel des choses ou des faits. Alors, il y a eu des expérimentations historiques, hein, de cette organisation des idées selon des schèmes... Je dirais naturaliste, je pense à l'arbre tout simplement, je pense à l'arbre de Porphyre qui organise les idées et l'idée d'une généalogie des idées selon effectivement une arborescence végétale. Tu en as d'autres en tête, hein? Il y a plus récemment l'arbre de... Enfin plus récemment du point de vue de... ne serait-ce que pour Leibniz, il y a l'arbre de Descartes. Là, j'ai pas d'autres figures en tête que l'arbre. Ouais, mais je me demande dans quelle mesure c'est en lien avec les symboles utilisés par la logique formelle aujourd'hui. Je serais curieux de voir, d'avoir une représentation de ce que Leibniz avait en tête avec ce formalisme-là. Parce que, par exemple, la relation, dans la logique formelle, la relation si alors, si x alors y, est représentée par une flèche horizontale. Mmh. X, la flèche, Y, qu'on lit si X alors Y. Est-ce que c'est ce que Leibniz avait en tête, c'est-à-dire que pour lui, il aurait accepté ce signe comme étant la représentation du connecteur logique si alors, parce qu'il se serait dit, ben voilà, la flèche, c'est bien la représentation d'une direction, de quelque chose qui nous mène de X à Y. Il aurait accepté que ou soit représenté par un V, enfin l'équivalent d'un V majuscule, donc X, V, Y qui se lit X ou Y, c'est-à-dire que les deux, suivant si c'est un ou inclusif ou un U exclusif, on va prendre l'hypothèse que c'est un ou inclusif, c'est-à-dire que les deux peuvent être vrais en même temps, ou l'une des deux peut être vraie et pas l'autre. Est-ce que ce serait rentré dans son idée? Parce que voilà, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait justifier que la forme du V corresponde à la notion du ou, mais je suis probablement certain qu'il y a moyen de sortir quelque chose du cul pour pourrait trouver une légitimité. Est-ce que c'est ça qu'il avait en tête? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il essaie d'installer une sorte de plasticité dans cette question d'analogie entre les différents éléments de sa caractéristique et l'organisation et de la pensée et du monde, ce qui lui permet d'avoir toujours une porte de sortie quand ça marche pas là, tu vois, pour reconduire ailleurs la question de l'analogie. Tu vois, donner finalement... plus d'ouverture à cette question, parce qu'assez rapidement, il risque de se retrouver dans une situation insoluble. Quoi. Il y a donc analogie, non seulement entre les signes et les objets, mais entre les divers systèmes de signes en tant qu'ils expriment la même réalité. En comprenant qu'ici que Leibniz joue sur tous les tableaux, il est conscient de l'importance de l'utilité concrète d'une bonne notation, il reconnaît tout autant la vérité des analogies entre symboles et objets ou entre symboles et relations, donc aux mathématiques. Il faut bien voir cependant que l'analogie au sens de Leibniz implique une forme mathématique de réalisme philosophique. Elle n'est donc pas compatible avec la notion d'analogie utilisée dans la présente thèse, qui considère un peu à la manière des nominalistes qu'on fait une erreur quand on tente de dispenser l'existence d'objets abstraits de toute relation avec le monde concret. C'est l'expérience concrète qui donne un sens au domaine abstrait au moyen de la métaphore. Contrairement à ce que suggère la notion d'analogie de Leibniz, le monde abstrait n'existe pas par lui-même, indépendamment de toute expression concrète. Nous venons de voir comment Leibniz concevait sa caractéristique universelle, interprétée ici comme la première expression d'une métaphore de la pensée prise comme un langage mathématique. Mais une surprise nous attend lorsqu'on constate que Leibniz conciliait cette première métaphore avec une seconde qui nous intéresse tout autant. Il allait plus loin encore et rêvait de réduire la logique à la mécanique. Bon, ça n'a rien d'étonnant si on se rappelle d'une part tous les passages où il compare le raisonnement à un mécanisme, ou la caractéristique à une machine, et si on considère d'autre part qu'il avait inventé dès sa jeunesse une machine arithmétique. Visiblement, les philosophes... adorait inventer des machines à calculer, visiblement, à cette période. Ça semble un passe-temps courant en philosophie. La pascaline de... C'est ça. Pour effectuer les 4 opérations, donc j'imagine que c'est addition, soustraction, division, multiplication, oui. Et une machine algébrique pour résoudre les équations. Il était naturel qu'après avoir réduit le raisonnement à un calcul, il voulut le réduire, comme les calculs numériques, à un mécanisme matériel. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on pourrait dire à une exemplification de cette figurativité des relations par la machine, quoi. Ainsi, Leibniz a-t-il proposé pour la première fois une analogie entre l'esprit et la machine à calculer. Or, il faut bien voir que cette analogie de Leibniz brouille de plus en plus la distinction entre le domaine concret et le domaine abstrait. Car si dans sa jeunesse, Leibniz se plaît à construire une machine à calculer bien concrète, bientôt il ne fera plus que d'en donner des esquisses sur du papier. Marc Parmentier, dans son introduction au livre « Naissance du calcul différentiel », donc bouquin de Leibniz et Parmentier, se montre surpris par l'intérêt que Leibniz porte aux machines à calculer et à la confusion des genres qu'elle entraîne entre la théorie et la pratique. En outre, Leibniz ne se lassera jamais de concevoir à l'intérieur même des mathématiques des machines théoriques, destinées non seulement à épargner les calculs inutiles, mais à tenir lieu de démonstration. En dehors de sa célèbre machine arithmétique, le plus bel exemple est fourni par l'intégraphe. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Et vis-à-vis duquel, intégraphe, on peut regarder, hein. Tout simplement. Voyons, qu'est-ce que c'est l'intégraphe? Alors. L'intégraphe, c'est un appareil de la famille des intégrateurs. Bah, ça va vachement m'aider, ça. Hein. Qui trace la courbe intégrale d'une fonction. Donc une intégrale. En mathématiques, l'intégration, calcul intégral, et une des deux branches du calcul infinitésimal. Ah, on y retourne. Voilà. Il fait partie de la famille des intégrateurs mécaniques constituée d'instruments graphomécaniques. Voilà. Alors, il y en a plusieurs dans cette famille. Il y a les intégraphes, donc, qui permettent d'obtenir le tracé de la courbe intégrale qui correspond. Il y a les intégromètres qui fournissent les valeurs de manière continue. Il y a les planimètres qui fournissent un résultat numérique. Bon, je ne vous cache pas que cette lecture ne m'éclaire pas tant que ça. Oui, on arrive au bout de ma capacité à suivre le langage mathématique. Et oui, donc Lucie qui nous dit analogie entre un mécanisme et la pensée, analogie qui est toujours beaucoup trop prise au sérieux. C'est une catégorie d'analogie qui est assez ancienne. On va trouver des il y a certains philosophes qui à l'époque où le top de la technologie et de l'émerveillement face aux prouesses du progrès, c'est le moulin à vent. Et ben, on va trouver des philosophes qui vont comparer la pensée à un moulin. Mmh. Quand l'outil qui est à l'image du progrès, c'est les machines à calculer, les pascalines et autres. Et ben voilà, on va comparer la pensée à ces machines à calculer. Et puis aujourd'hui, l'objet paradigmatique du progrès, c'est l'ordinateur, donc. Inévitablement, il y a toute une bande de gogos qui vont s'engouffrer dans la même porte ouverte. Évidemment. De comparer l'esprit à un ordinateur. Ah, évidemment, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. C'est une vieille marotte. Je pense que rappeler que elle a... Une de ses incarnations, ça a été de comparer l'esprit à un moulin. C'est assez révélateur sur le fait que ce soit une. On est bien dans l'ordre du. On est bien dans l'ordre du fantasme. C'est-à-dire qu'on met le, on place la pensée haut et on cherche un objet du monde dans lequel on puisse projeter autant de valeur. Et la plupart du temps, c'est le genre de pensée où voilà les. On s'épate des prouesses technologiques de son temps. Donc, on a envie de mettre la pensée à la hauteur de ces prouesses technologiques-là. Et ça ne marche pas, évidemment. Ah oui, Dodonio, je crois que Tolstoï n'est effectivement pas dans le chat. C'est pas la peine de l'engueuler parce qu'il fait des intégrales ou qu'il tente de décrire les mouvements historiques comme une série d'intégrales, de petits événements. Ne lui en veut pas trop. Ne l'engueule pas. Il est en train d'engueuler Tolstoy. Le reste du chat est en train d'engueuler Wisebot. Un talent pour engueuler des choses qui n'ont pas d'oreilles, des morts et des robots. Bien sûr, on parle ici de machines théoriques, mais ça ne les empêche pas pour autant d'avoir été formulées en utilisant une marche à suivre qui se voulait concrète. Ce ne sont pas les instructions d'une machine complètement abstraite que donne Leibniz, mais bien celles d'une machine qu'il voulait construire. D'après ce que nous venons de voir, la caractéristique universelle et le calcul logique sont les premières incarnations de la métaphore de la pensée comme langage mathématique. Plus encore, Leibniz est sans doute le premier à avoir saisi l'ampleur d'un projet philosophique qui consiste à remplacer l'esprit humain par une machine à calculer. Son grand rêve aurait été de concevoir une machine qui aurait pu faire de sa logique un outil concret et mécanique. Donc son grand rêve, c'est peut-être le ChatGPT, je ne sais pas. On saisit toute la dimension visionnaire de ce projet qui, à partir d'une comparaison métaphorique entre l'activité abstraite du raisonnement et l'activité concrète du philosophe mathématicien, finit par se réincarner 2 siècles plus tard en différentes théories de l'esprit basées sur le fonctionnement des ordinateurs. Voilà, exactement ce dont vient de nous parler. Donc, le rêve de Leibniz, c'est une machine où tu as une série d'engrenages, de rouleaux... Alors, tu changes certains rouleaux, tu mets le rouleau Dieu, et puis tu mets le rouleau Liberté, puis tu mets le rouleau Éternité, et tu associes, tu les mets dans les... Tu règles ta machine à calculer pour qu'elle fasse... une opération de synthèse, tu tournes la manivelle de ta machine, elle fait interagir les rouleaux entre eux à la manière dont la pascaline fait interagir ces différents rouleaux pour produire un résultat, et puis clac, 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 tu as une conclusion qui sort et qui te qui te dit ce qu'il en est des vérités dernières sur Dieu, la liberté et l'éternité. C'est quand même... Alors, Daniel Mer nous dit, c'est absurde de penser que les instruments techniques qui nous sont contemporains servent d'outils analogiques dans la pensée en général, comme nous qui pensons sur un mode influencé par un classement numérique des fichiers, etc. Ben, c'est des rapports d'auscultation réciproques, en fait. C'est qu'à la fois nos machines nous ressemblent et à la fois nous auscultons de façon métaphorique, hein, mais notre mode de pensée avec ce qu'on a construit, qui crée une espèce de légitimité particulière de ces constructions, comme si d'une certaine manière elles pouvaient être le reflet, un petit peu comme ce que Leibniz veut établir avec sa caractéristique, hein, un reflet analogique enfin atteint entre, si tu veux, le fonctionnement des idées qui nous font fabriquer des systèmes et ces systèmes eux-mêmes, comme s'ils en étaient l'empreinte, tu vois. Mais évidemment, c'est un rêve aberrant, puisque tout ce que nous produisons, c'est des catégories de l'organisation. Et ces catégories d'organisation, effectivement, elles sont, on peut les machiniser autant qu'on veut, mais elles ne sont que des catégories de l'organisation, c'est-à-dire qu'elles sont toujours secondes. Et elles n'ont pas. Elles sont aussi extrêmement discriminantes. Elles ne travaillent à rendre compte que de toutes petites opérations des conditions de leur création. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Le rêve était grandiose, mais n'a jamais abouti. Oh ben, y a aussi un autre truc dont je ne parle pas, mais tu parles de l'organisation des bureaux, etc. C'est aussi assez fondamental, c'est que nos machines ne ressemblent pas simplement qu'à nos désirs d'organisation, mais ils portent en eux la puissance des métaphores sociales par lesquelles nous organisons le reste du monde. Donc effectivement, que nos ordinateurs soient des compositions bureautiques, nous dit aussi qu'est-ce qui, au moment de leur invention, était prépondérant dans les modes d'organisation du monde. Donc, dont ils héritent, certes, mais c'est normal, puisqu'au fond, ils ne servent qu'à poursuivre cette organisation. Le rêve était grandiose, mais n'a jamais abouti. Leibniz n'a jamais réussi à trouver un symbolisme adéquat pour son langage de la pensée. Et le seul à blâmer ne peut être que Leibniz lui-même. Comme l'explique Parmentier, Leibniz avait la mauvaise habitude de faire les choses à moitié. Je crois que tous les amateurs de Leibniz se rendent compte aussi de ce que cet homme frétillant n'arrête pas en fait, de commencer des trucs, de ne pas les finir. Il y a beaucoup de notes dans tous les sens, des quantités énormes de courriers et finalement pas beaucoup d'opuscules achevés. Et puis une espèce de frénésie polymathe aussi. Qui l'accule souvent à tester une proposition, à ne pas l'amener à son terme. Le mode de la dispute dans laquelle il s'arc-boute beaucoup à la pensée de ses contemporains le fait aussi jouer à une expérimentation étrange de propositions dont il attend la contre-proposition pour continuer à avancer. Il y a un mode opératoire qui est bizarrement assez différent finalement de celle de cette espèce de construction extrêmement transcendantale qu'il propose d'une langue caractéristique qui, comment on pourrait dire, qui prétend tout embrasser. Alors que son mode d'action, ce n'est pas un mode de l'embrassement total, c'est plutôt un mode de l'à-coup. Il avance beaucoup par à-coup. Petite touche comme ça. Voilà. Daniel Mer dit, tu es en train de dire qu'il y aurait une sorte de dialectique constante entre nous et nos objets. Oui, bien sûr. C'est le propre de l'outil d'une façon générale d'être héritier à la fois des conceptions préalables qui nous font les fabriquer, et de transformer nos gestes, mais aussi d'être les victimes de nos transformations. On n'utilise jamais un outil pour sa fonction. À peine un outil est créé, que nous commençons instantanément, quel que soit son degré de complexité, hein, par le détourner de cette pauvre fonction à laquelle il est destiné. Nous faisons ça tout le temps, depuis toujours. Donc nos rapports à l'outil sont effectivement des rapports, on pourrait dire, de co-fécondation, de gestes, de production et d'organisation. Les défauts n'en sautent pas moins aux yeux. Sa procrastination d'abord. Pas dis donc. Nous le verrons à plusieurs reprises se contenter. Ah, Billy va. Il le loupe pas. Il aime Leibniz, mais on sent quand même que bon, il est taquin, quoi. Et il aime le chahuter. Il le chahute un petit peu, ouais. Nous le verrons à plusieurs reprises se contenter de jeter sur le papier une intuition, en remettant à plus tard les détails de calcul, mais aussi par voie de conséquence la justification qu'ils peuvent apporter. Sa précipitation, qu'il nomme lui-même sa festination naturelle. Il est fréquent qu'il avance un résultat général sans avoir pris la peine de vérifier sur un nombre suffisant d'exemples. Et enfin, à proprement dit, les erreurs sont assez nombreuses. Les spécialistes de Leibniz n'en finissent pas de s'étonner qu'un si grand esprit ait pu avoir si peu de rigueur. On s'étonne qu'un esprit aussi inventif ait consacré si peu d'efforts à se justifier. Peut-être faut-il même y voir la difficulté de bien concevoir l'innovation immense que pouvait représenter la machine à calculer. Et éventuellement son lien métaphorique avec l'esprit. Pour Leibniz, les traditions scolastiques, qui s'occupaient principalement de justifier les connaissances abstraites de son époque, n'étaient finalement que des nuisances, des chapes de plomb qui empêchaient l'avancement des connaissances. Passé maître dans ce qu'il appelait lui-même l'art d'inventer, donc ars inveniandi, Leibniz ne s'embarrassait d'aucune tradition quand venait le temps d'inventer des nouvelles méthodes concrètes de notation et de calcul, qui allait connaître une postérité remarquable dans la tradition analytique du XXe siècle. Bon bah écoutez, là, on peut dire que le garçon qui a commencé sa thèse et qui ne l'a pas finie, en nous venons lire un petit extrait, a assez bien résumé finalement les quelques lives, donc Alexandre Brunet, hein, les quelques lives qu'on a passés en compagnie des prémices de cette caractéristique. Donc on va pouvoir lire la suite maintenant de ces entretiens, avant que tu aies des remarques complémentaires à faire, Gabriel. Pas dans l'immédiat, non. Ok. Alors, on y va. On y va pour la discussion qui est proposée là. Donc, c'est Michel Duchet, donc une des co-organisatrices du séminaire, qui commence. Je me souviens encore de la crainte exprimée par Pierre Kuentz au début de ce séminaire, lorsqu'il disait que commencer l'étude des problèmes du langage au XVIIIe siècle par celle des problèmes du langage au XVIIe siècle, c'était privilégier un ensemble arbitrairement découpé dans une histoire des théories linguistiques, et donc s'installer délibérément dans une certaine conception de l'histoire. L'histoire comme accumulation, comme progrès. C'est-à-dire, effectivement, non pas l'histoire comme tressage de fils continus qui se poursuivent sans véritablement se terminer, mais bien comme une succession de petits événements qui rendraient indifférent finalement de s'intéresser à l'étape préalable d'une situation, parce qu'au fond la dernière situation la contiendrait plus ou moins. C'est finalement assez faux. Enfin, en histoire de l'art, c'est pas comme ça que ça marche, par exemple, pas du tout. Il y a, toutes les inventions sont des inventions tissées de fantômes de beaucoup de siècles en général, et pas simplement une espèce d'étape préalable qui va vers une étape suivante, et ainsi de suite. Cette crainte était vaine, puisqu'en fait, nous ne sommes installés nulle part. Du XVIIe siècle, nous sommes remontés au XVIe, puis jusqu'au Cratyle. Nous avons parlé de gens aussi divers que le Père Bourg. Alors le Père Bourg, hein, je vous le rappelle, c'était... les dialogues d'Ariste et Eugène, vous vous en souvenez un petit peu peut-être. Donc c'était les premiers lives de cette série, donc une position jésuitique pour le coup, assez particulière sur la belle langue, un rapport très particulier à la vérité. Nous avons parlé de Ramus. Ah, je m'étonne, je me souviens pas du tout qu'ils aient parlé de Ramus, dis donc. Alors, on s'est tapé tous les précédents chapitres et j'ai pas l'impression qu'on l'ait évoqué. Alors pour ceux et celles qui le connaîtraient pas, Petrus Ramus, donc c'est le siècle avant, hein, c'est même, ouais c'est ça, c'est les morts à la fin du 16e je crois, c'est Pierre de la Ramée, c'était un logicien, un mathématicien, un rhéteur, c'est aussi un enseignant, c'est important parce que je crois qu'une bonne partie de son travail ça a été celui d'enseignant et que c'est par là d'une certaine manière que une bonne partie de ses problèmes sont venus. Il était très réputé pour ses positions assez tranchées, et assez souvent dans un grand conflit avec les autorités intellectuelles de son siècle. Notamment, on évoquait tout à l'heure les rapports de Leibniz à la scolastique, parce qu'il s'opposait en fait à la question de la tradition philosophique. La tradition scolastique, c'est vraiment la défense d'Aristote, plus pour son autorité que pour la clarté propre de sa théorie, donc une espèce d'autorité indépassable, presque biblique, quoi. En tout cas, c'est ce qui est devenu la scolastique à l'époque de Leibniz. C'est ça, oui. Elle a eu des moments très beaux, des moments fascinants. C'est vrai, oui. Tout le XIIIe siècle, c'est un grand moment. Oui. Effectivement. Et à l'époque de Leibniz, effectivement, c'est un domaine de la pensée qui est complètement sclérosé. C'est vraiment assez... assez triste en fait. Bah, il faut croire que ça l'était déjà un siècle avant, puisque c'est pour ces raisons que Ramus s'y opposait, et ça lui a valu des tas d'emmerdements. Il s'est fait interdire pas mal de ses bouquins. En plus, il a commis un petit impair, le père Ramus, stratégique. Il s'est converti à la réforme calviniste, et là, il a pu connaître une nouvelle suite d'emmerdements. Il a dû s'exiler un moment aussi. Je crois qu'il s'est exilé un petit moment aussi en Allemagne, mais avec toujours l'ambition de revenir en France, parce que c'est un patriote. Par exemple, on lui a offert des postes en Italie, je crois, hein, qu'il a refusé par fidélité à la France. Et il a fini par revenir en France quand même, heureux de pouvoir retrouver son territoire. Ce qui l'a valu, évidemment, d'être transpercé de coups de toutes sortes et défenestré pendant les massacres de la Saint-Barthélemy. Je ne devrais pas rire. Je sais pas pourquoi c'est drôle. C'est pas drôle. Pauvre Ramus. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Oui, c'est ça. On a parlé déjà ensuite d'hiver que le Père Bourg, Ramus, Aristote. Bon, je vous fais pas l'affront de vous dire qui est Aristote. De nouvelles strates de connaissances sont venues s'ajouter à celles que nous estimions au départ suffisantes, non sans témérité, au fur et à mesure que le champ de la recherche se creusait. La liste des lectures obligées, si nous voulons continuer à parler avec quelque efficacité, s'allonge. Et ce ne sont pas toujours des lectures faciles, loin de là. Beaucoup plus que la linguistique ancienne ou moderne. Bon, la linguistique, on ne peut pas dire qu'il en existe vraiment une ancienne, hein, mais bon, oui. Acceptons l'idée que l'intérêt théorique pour les langues ne soit pas tout jeune, il date de l'Antiquité. Mais la linguistique, c'est une autre affaire. C'est en effet la philosophie qui est venue occuper peu à peu le centre du cercle qu'ensemble nous essayons de parcourir. Assez fatidiquement. En vérité, quand il s'agit de langage, un nombre considérable de disciplines sont concernées par son étude. Hein, évidemment, elle peut être abordée, cette question, oui, d'un point de vue philosophique, mais aussi historique, anthropologique, philologique. On a évoqué la philologie tout à l'heure, donc le textuel, si vous voulez. Mais là, c'est peu à peu, effectivement, les discussions se ramassent tout autour de la question philosophique et de l'approche philosophique. C'est normal, puisqu'ils ont choisi Leibniz pour objet principal, donc il fallait s'y attendre un petit peu, quoi. C'est elle qui commande en ce moment notre réflexion, donc pendant le séminaire, je redonne le contexte, sur le langage comme activité humaine, sur la théorie du signe, sur la caractéristique, sur les lois de la pensée, alors, sans vraiment savoir qu'est-ce qui peut bien la régir, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle est, hein. Et leur combinatoire. Pas seulement parce que nous avons tenté une lecture de Leibniz, parce que cette lecture nous force à nous demander ce qui est en jeu, finalement, dans toute théorie du langage. Effectivement, c'est une question très difficile, en fait. De quoi on parle quand on parle de langage? Et à quel endroit on se place, finalement, pour parler de ce que le langage organise du monde des humains? Ou encore, quel est l'enjeu d'un quelconque débat sur la linguistique, sur la grammaire, sur la rhétorique? Ainsi, nous avons constaté que sous une forme ou sous une autre, la vieille opposition, héritée de la pensée grecque et réactivée pendant le Moyen-Âge, entre réalisme et nominalisme, demeurait toujours sous-jacente aux philosophies du langage. Ben, je vais te laisser expliquer ce que ces positions réalistes et nominalistes pouvaient être. Parce que moi, je connais bien le Moyen-Âge, j'en parle souvent, mais l'Antiquité, c'est pas trop ma spécialité. Peut-être tu pourrais dire quelles étaient ces deux propositions pendant que je vais faire pipi. Pendant l'Antiquité grecque, les deux positions pendant l'Antiquité grecque, ce que c'était? Ah, me voilà bien emmerdé, parce que c'est pas vraiment la vision qui a cours dans l'Antiquité grecque. Mais bref, passons. La position réaliste, en gros, c'est celle de Platon. Donc Platon avec son idée du beau, et puis son idée du bien, et puis son idée du juste, et son idée du lit. En gros, ce qu'il appelle les idées, enfin ce qu'on traduit par idée, on pourrait aussi traduire par forme. Il me semble que la traduction de forme est plus juste. Elles sont réelles, d'où le nom de réalisme. Alors on parle souvent de manière... Non, je vais pas raconter de blagues, je suis nul pour raconter les blagues. Je suis nul. Pour te dire à quel point je suis nul pour raconter les blagues, on s'est vu récemment avec Laurent et Agnès. Donc, on est rentré dans un café. Donc, à un moment, il y a une catholique, un juif et un protestant qui sont rentrés dans un café. Et tu veux savoir à quel point on est nul pour les blagues, il s'est rien passé. C'est une excellente blague, chérie Gabriel. Tu vois, tu sais raconter des blagues. Merde. Excellent. Ouf. Alors, c'est même... merci, Dr. Wack. Tu me confirmes dans ma nullité. Oh non, pas d'accord. Je la trouve bonne, moi. Vraiment. Nul. Oh, ben dis donc, Suze. Le public est sévère. Pitié, pas encore une putain d'anecdote. Oh, les salauds. Vraiment, hein. Aucune pitié pour toi. C'est même une des difficultés majeures de la lecture des nouveaux essais sur l'entendement humain. Pour les penseurs matérialistes grecs, donc Héraclite, Anaxagore, Démocrite, les signes sont solidaires du réel. Il y a une correspondance entre les éléments de la matière, ou atomes, et les aimants de la chaîne parlée ou l'être. Ouais, alors là, on fait comme si tous ces gens étaient des atomistes, mais en fait, pas vraiment. Hein. Là, on parle de plein de trucs en même temps. Alors, la phrase, elle dit plein de choses, donc on va essayer de d'y mettre un peu au clair. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers de terminologie, on peut parler effectivement de matérialisme, mais il faudra mieux être un peu clair pour dire de quoi on parle. Comment ça? Pour les philosophes, les philosophies matérialistes, pour les matérialismes, si vous voulez, tous les phénomènes trouvent leur cause dans des compositions, dans des organisations, dans des forces, dans des mouvements, des interactions de la matière. D'accord? Même les formes les plus désincarnées apparemment, donc comme l'esprit, comme la pensée, si vous voulez, quoi. Ça peut impliquer plusieurs positions, hein, une position moniste par exemple. Dans la position moniste matérialiste, donc monos, si vous voulez, c'est seul, unique, elle postule une unité totale, complète, du matériel et du spirituel, de la matière et de l'esprit. Et par opposition, on avait déjà évoqué avec Gabriel souvent une philosophie dualiste, comme celle de Descartes, par exemple, qui lui sépare complètement les deux. Donc il y a l'étendue d'un côté, la matière, le corps, res extensa, la chose est étendue, quoi, et la pensée. Hein, res cogitans, l'âme. Mais on a parlé de Bergson avec Gabriel souvent, mais le platonisme aussi, au fond, hein, il est dualiste, par une opposition qui est assez tranchée, bon, en tout cas dans le caractère d'existence des choses, dans le statut ontologique, entre les idées et puis les apparences mobiles du monde, les objets du monde, les formes du monde. Alors, c'est le dualisme Le dualisme de Platon, il est entre l'intelligible et le sensible. Donc, on pourrait le rapprocher du dualisme cartésien entre la substance étendue et la substance pensante. Je ne pense pas que ce soit exactement le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dualisme de Platon, qui est aussi le dualisme de Parménide, entre l'intelligible et le sensible, y a une autre école, par exemple, Hegel va considérer que le sensible, c'est de l'intelligible. C'est ça. Alors que pour Platon, ce sont deux domaines entièrement différents et avec une pas uniquement différents. Hein. Il y en a clair pour Platon, il y en a clairement un qui est meilleur que l'autre. L'intelligible est et en termes de valeur, en termes d'investissement par Platon, très clairement au-dessus du sensible, qui est changeant, donc caca. Salut Balladur. Oui, c'est ça. Avec toujours le Gabriel, il y a les idées d'un côté, et puis toutes les apparences mobile du monde, hein, ne sont que des manifestations déclinées, amoindries de ces idées, appauvries, etc. Ben, quand je vous parle de monisme matérialiste, donc, comme le dit Gabriel en parlant d'Hegel, il existe aussi un monisme idéaliste, hein, qui, bah, comme vous pouvez l'imaginer, pour lequel toute réalité est déterminée à ce moment-là par l'esprit, et seulement lui. Et là, du coup, chez Hegel, j'ai pas la moindre foutue idée de ce dont il parle par ailleurs. On a eu l'occasion de voir quand on a discuté de son esthétique que quand on comprenait, c'était art. Alors, pour les matérialismes, la connaissance est étroitement liée à l'expérience qu'on peut avoir du monde des choses. Selon les disciplines, selon les positions matérialistes, cette question de l'expérience, elle peut changer. Alors, on en parlera tout à l'heure parce que on verra bien, on va sûrement causer par exemple de Condillac ou de Locke. Locke, c'est un empirisme radical, mais Condillac, c'est une version encore plus étrange et encore plus radicale finalement de matérialisme, ce qu'on va appeler le sensualisme. Mais on en parlera tout à l'heure parce que je crois qu'on avance dans le texte là-dessus. Et donc, selon les rapports à la question de l'expérience, qui peut être soit du côté plus analytique ou expérimental comme les physicalistes ou les philosophes analytiques contemporains, donc les positions comme matérialistes peuvent changer. Mais en tout cas, elles impliquent toujours dans le cadre de la théorie de la connaissance la matière comme seule et première, si vous voulez, en quelque sorte. Donc là, on parle de plusieurs gens, on parle d'Héraclite, d'Anaxagore et de Démocrite. Alors, c'est des gens qui sont plus ou moins contemporains, en gros, hein, c'est fin 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, tous ces gens. Héraclite, je pense, doit être le plus vieux du lot, après ça doit être Parménide ou Anaxagore, après c'est Démocrite qui est un tout petit peu plus jeune qu'eux, qui doit être plus ou moins le contemporain de Empédocle. Et après, bah, vous connaissez les suivants, c'est Socrate, c'est pour ça qu'on appelle tous ces gens des pré-socratiques. Alors là, on a plusieurs écoles que je ne connais pas très bien, enfin, je les connais vaguement puisque j'ai lu un petit peu d'Héraclite, mais par exemple, je n'ai pas lu Thalès. Donc, qui est aussi un philosophe ionien. Donc il y a les Ioniens. Alors la Ionie, si je ne me gourre pas, c'est doit être à peu près les côtes de la Turquie. Et leur position, eux, c'est pour ça que ça me fait bizarre d'en parler de là comme s'ils étaient tous comme s'ils étaient tous atomistes. Non, enfin, c'est des observateurs et des scripteurs de la nature. Enfin, Héraclite, oui, c'est ça. C'est des traités de la nature, d'ailleurs, leurs bouquins en général. Oui, je pense qu'une des raisons qui font qu'on les baigne, on a tendance à les baigner très facilement tous ensemble, c'est aussi le simple fait qu'on parle de pré-socratique, le simple fait qu'on utilise ce terme fait qu'on on les rassemble tous sous cette sous quelque chose qui est parfaitement arbitraire, parce que Thalès, ni Thalès ni Héraclite ne savent qu'ils sont pré-socratiques. C'est ça, ils sont pas en train de se chauffer là pour préparer l'arrivée de Platon, c'est pas. Oui. On a qui d'autre? On a les pythagoriciens, c'est avant Platon aussi. Oui, oui, oui. Et puis parfois on parle de pré-socratique pour des philosophes qui sont contemporains, voire postérieurs à Socrate. C'est vrai, complètement, ouais. Ouais, ouais, complètement, ouais. Démocrite, par exemple, il est considéré comme pré-socratique alors qu'il lui est contemporain. Oui, c'est ça. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et puis il y a donc la troisième école, donc on a quoi? Les Ioniens, les Pythagoriciens et les Éléates. L'école d'Élée, donc c'est le sud de l'actuelle Italie, je crois qu'Élée c'est la Sicile, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est souvent les Siciliens, je crois que c'est plutôt les sophistes qui viennent de là, mais c'est... Oui, c'est ça, il y a Zénon d'Élée, c'est plus... Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est Xénophane de Colophon, c'est un peu l'initiateur de cette école, puis après c'est Parménide, donc Monsieur 1... C'est ça, Monsieur 1 et Zénon d'Élée, bah, vous monsieur, connaissez parce monsieur que... distinction intelligible sensible qui va être si importante pour Platon. C'est vrai, complètement. Donc, bon, tous ces gens sont un peu mêlés là dans la phrase. Puis il y a Anaxagore. Alors Anaxagore, c'est lui aussi, c'est un observateur de la nature. C'est un type assez fascinant d'ailleurs. Hein. Alors là, pour le coup, c'est un philosophe déjà rationaliste en fait. Hein. C'est un esprit plutôt scientifique. Il prépare le terrain finalement au côté un peu empirique d'un Aristote. C'est des gens qu'on retrouve beaucoup décrits par Platon d'ailleurs, et souvent en des termes pas très sympas. D'Anaxagore, je ne sais pas grand-chose, mais je sais qu'il est, décrit comme déjà, enfin, si on le propose comme philosophe plutôt rationaliste, c'est par son opposition assez frontale à la superstition, voire même d'ailleurs à la religion, puisqu'il a eu un procès en impiété. Et donc, on peut lui, on le rapproche, c'est peut-être un peu exagéré, quoi, mais il part sur le principe métaphysique des éléments d'Empédocle, vous voyez, les fameux 4 éléments qui constituent la matière, mais lui, il en fait une articulation très particulière dans une espèce de dispositif continu de transformation. Donc, ça évoque, c'est là que je dis, bon, peut-être on exagère un peu, mais ça évoque Lavoisier. Un petit peu. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Chez Anaxagore, c'est un peu ça. Il y a des questions d'Anaxagore qui sont très belles et très fines. Moi, je me réfère souvent même à la même anecdote parce qu'elle me fascine, de son intelligence dans la composition, dans tu sais, son questionnement de l'alimentation du lapin et la question de pourquoi une créature qui se nourrit essentiellement d'une chose ne devient pas cette chose. Donc, oui. Il n'a pas les moyens, évidemment, d'aller chercher dans la nourriture ce qui, en fait, est le véritable aliment, donc les éléments dont on se nourrit. Donc évidemment, il les voit comme des choses, et sa question est intelligente. Et sinon, il y a un découpage de la matière dans une espèce d'une division que rien ne pourrait arrêter, quoi. Donc il y a une espèce de conservation infinie des propriétés. Et du coup, c'est pas du tout anatomiste. Parce que chez lui, par exemple, il y a les propriétés, elles sont conservées dans l'élément premier. Alors que chez les atomistes, l'atome n'a pas de propriété propre. Il n'y a pas de caractère secondaire pour les atomistes. C'est ce que décrit, on a parlé de Lucrèce et sa théorie des couleurs l'autre fois, dans un autre live consacré à la peinture, où c'était très clair que les atomes n'ont pas de propriétés colorées, c'est leur agencement qui produit la couleur. Et chez Anaxagore, c'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, le mettre là avec les atomistes, c'est plutôt bizarre. On a qui encore? On a Héraclite. Bah, oui, pareil. Enfin, lui, c'est une philosophe, vous le connaissez bien, parce qu'on ressasse sans cesse le même fragment. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ah, bon, c'est vraiment le philosophe de l'inachèvement, le philosophe du devenir. C'est aussi le. Il y a quelques. Alors, je comprends vaguement pourquoi est-ce qu'on rapproche, c'est que la physique d'Héraclite est fondée, basée sur le feu. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, complètement, ouais. Le feu, c'est l'élément fondateur et l'élément central du monde et de la manière dont le monde fonctionne. Et en bon en bon philosophe grec, puisque c'est la manière dont le monde fonctionne, bah c'est la manière dont les gens fonctionnent. Thalès, c'est l'eau, mais c'est vraiment très curieux de les rapprocher des atomistes sur ce plan-là, parce que je pense que vraiment ni Thalès ni Héraclite, pour ce que j'en comprends, ne se serait qualifié de matérialiste. Bah non. En plus, le poser juste ouais, à côté des atomistes, c'est un peu aberrant. C'est un anti-atomiste radical. Parce que pour lui, les choses ne sont absolument pas stables, pardon, elles n'ont pas de propriété. C'est un anti-ontologiste, en fait. Les choses ne sont pas. Il n'y a rien qui, chez elles, soit. Ce qui permet, dans la philosophie héraclitéenne, par exemple, que le vivant devient mort. Enfin, il n'y a pas de statut définitif d'une chose. Donc, les choses sont instables continuellement. Ce qui est bon peut devenir mauvais, mauvais peut devenir bon, une espèce de mélange continu des forces opposées. Effectivement, comme dit Gabriel, le feu est l'élément de base de sa construction métaphysique, mais il est superposable chez lui plus ou moins au logo, c'est le principe de toutes les choses, quoi. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de fragments, hein, donc on ne peut pas lire grand-chose d'Héraclite. Je ne sais plus combien il y a de fragments, mais il n'y a pas grand-chose. Je vois que Balladur est en train de lire Kafka en ce moment. Super. Héraclite et Parménide font partie des deux présocratiques pour lesquels on a le plus de fragments. C'est assez... Alors, il nous en manque. Alors, le truc, c'est que Parménide, a priori, grâce à Sextus Empiricus, on a une solide portion de l'œuvre de Parménide. Mais pour Héraclite, on a... On ne sait pas en fait. Et on ne sait par exemple même pas si... s'il y avait des raisonnements chez Héraclite, ou bien si son côté... son côté de philosophie par aphorisme tient uniquement du fait qu'on ne le connaisse que par fragments et par citation. Donc effectivement, ce qu'on a de son œuvre, ce sont les aphorismes qu'on a gardés. Mais est-ce que c'est à ça que ressemblait son œuvre, ou est-ce que c'est ou est-ce qu'elle avait un aspect entièrement différent qui a été perdu par la manière dont il s'est transmis? Ça, on ne sait pas. Mais on a malgré tout... Enfin, c'est les deux pour lesquels on a le plus de fragments, Parménide et Héraclite. Alors pour Parménide, comme le disait Gabriel aussi, pour que situer un petit peu, c'est vraiment lui qui va fonder l'ontologie, en fait, qui va poser la séparation radicale entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre l'être et le non-être. Donc le non-être n'est pas. Platon va hériter en fait de cette composition. Donc l'être ne peut pas naître du non-être, pas plus que le contraire. Donc il a un système complètement unitaire qui va poser l'être comme une unité fondamentale, mais de l'univers. Donc c'est un principe qui va ramener à une espèce d'unité, on pourrait dire omnisciente, enfin omnipotente, et en tout cas constitutionnellement unifiée, qui comprend tout, une sorte de figure monothéiste, incorruptible, un dieu unique. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'est le dieu de Parménide, hein. Mais bon, quelque chose qui subsiste, L'un de Parménide, le dieu de Parménide, il le décrit comme une sphère. C'est ça, sans début ni fin, d'un maintien éternel. La nature elle-même est éternelle, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc la matière, elle aussi, pareil que pour Héraclite, la composition fondamentale, effectivement, chez Parménide, l'élément fondamental, c'est le flot. Et pour Démocrite, puisqu'il en est question aussi dans ce bout de texte, qu'on en finisse un petit peu, mais que vous ayez un paysage comme ça qui va vous faire comprendre pourquoi je tique un peu à faire comme si tout ça était pareil. Et puis comme on va en reparler, vous essayez de vous rappeler un petit peu ce qu'on est en train de vous raconter. Donc Démocrite, c'est un tout petit peu plus tardif. Donc je le crois contemporain de Platon, hein. Donc de Platon, oui, c'est ça. Enfin, c'est au moins de Socrate. Donc on ne peut pas en faire un pré-socratique. Voilà, il en est contemporain. Et oui, lui est atomiste. Voilà. Alors, c'est pas le fondateur. Je crois que c'est Leucippe, dont il était élève, qui va fonder l'atomisme. Mais bon, on lui attribue en général. J'ai pas lu Leucippe, comment dire, je connais pas. Je crois qu'on l'attribue plus souvent à Démocrite parce qu'on a davantage de fragments de Démocrite. Ah. Alors, Epicta dit, je rentre de soirée, votre discussion me donne mal au crâne. Eh ben, le mieux, c'est que tu prennes un bon verre de rhum et que tu regardes vite une série américaine, Epicta. C'est pas le moment pour la philosophie si ça te donne mal au crâne. Tu remets ça plus tard. Epicta mentionnait spécifiquement la conversation entre Balladur et Sus, qui sont un peu en train de truster l'espace du chat, là. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut encore dire du petit père Alors, pour ce qui est de l'atomisme, on l'a aussi attribué souvent à Épicure, mais là, à cause d'une erreur d'attribution de Diogène Laërce. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire de lui que c'est une figure du doute méthodique. Donc, on peut comprendre pourquoi Sextus Empiricus peut s'y référer, puisque c'est un sceptique radical, Sextus Empiricus. Hein, c'est lui qui a proposé cette vision du temps qui est assez jolie, qui dit le passé n'existe pas, puisqu'il appartient au monde des choses révolues qui n'ont pas de caractère d'existence dans le monde. Le futur n'existe pas, parce qu'il n'est qu'hypothèse et qu'on ne pouvons pas hypothéquer les choses qui sont. Et le présent, qui est un pont tiré entre le passé et le futur, ne peut pas exister, puisque un pont ne saurait exister s'il est tiré entre deux choses qui n'existent pas. Ça, c'est Sextus Empiricus. C'est plutôt très amusant, un objet de réflexion plutôt drôle. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de Démocrite? Donc, c'est une figure du scepticisme, donc. C'est le prototype des penseurs touche à tout, hein, les polymathes dont on n'arrête pas de parler depuis quelques temps, puisque Leibniz en est un aussi. Et donc pour lui, la nature est composée dans son ensemble de deux principes fondamentaux qui sont opposés. Donc il y a les atomes, qui sont en quantité infinie, alors, atomes, c'est-à-dire qui ne peut pas se couper, qui ne peut pas être diffusé, divisé, pardon, qui sont insécables, c'est ce que veut dire, je crois, le mot atoma. Hein. Insécable, oui. C'est ça, insécable, qui se déplace. Atomos. En... Atomos, d'accord. Enfin, bref. Qui s'assemblent ensemble de manière tourbillonnaire dans les éléments qui se meuvent, qui se percutent, qui s'agrègent. Et même l'âme est composée d'atomes, d'air. Donc ça, c'est pour ça d'ailleurs, selon lui, que pour maintenir l'âme, bah, il faut respirer. Et le principe dans lequel se meuvent ces atomes, donc, auxquels ils sont d'une certaine manière opposés, c'est le vide. Et entre eux, entre les atomes et le vide, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de procession, parce que là non plus, rien ne vient du néant, ni ne peut y retourner, hein. Même si là, c'est... Enfin, on est encore dans un double principe, être, non-être, hein. Les atomes sont, le vide n'est pas. Voilà, c'est le plan de réalité atomiste. Et donc tout ce qui ne ressortit pas à ces deux principes-là, atome et vide, et notamment l'univers des sens, l'univers des sensations, ça n'existe pas, c'est illusoire, voilà. Donc ça va avoir évidemment des conséquences sur sa théorie de la connaissance. Selon lui, alors là on est très très loin des sensualistes, c'est l'opposé de l'empirisme radical dont on parlera tout à l'heure, puisque pour lui la connaissance par les sens est complètement négligeable. Elle est écartée au profit de la connaissance par l'intellect, qui est la seule légitime, la seule véritable selon lui, quoi. Voilà, voilà. Et les dieux, je ne sais pas quels sont le statut. C'est quoi le statut des dieux dans la position démocritienne? Qu'est-ce qu'on fait des dieux dans tout ça? Alors, on la connaît chez... Ah merde, Épicure, voilà, pardon, on la connaît chez Épicure. Donc les... Ah oui, chez des animaux indestructibles et heureux. C'est ça, c'est ça. L'idée, donc les dieux sont parfaitement heureux, éloignés de nous, insoucieux du monde. C'est pour Épicure une des raisons quand ça va mal de s'efforcer d'être heureux, c'est de savoir que il existe dans l'univers des créatures parfaitement heureuses. Donc même quand ça va pas, pour Épicure, même quand ça va pas, on peut penser. C'est l'inverse de ce qu'on entend souvent. Oh, quand ça va pas, faut se dire qu'il y a pire. La proposition d'Épicure est infiniment plus généreuse. Quand ça va pas, faut se dire qu'il y a des gens pour qui ça va parfaitement bien. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, c'est généreux. Difficile d'être solidaire de ces créatures quand même. C'est vraiment tout sauf l'interventionnisme auquel on est habitué dans la cosmogonie grecque où les dieux sont toujours en train d'intervenir dans nos petites histoires. Là, c'est ça. Là, c'est tout à fait le contraire. Et on sait que les dieux existent parce que, donc, on en avait parlé en plus, l'eidolon, donc là, on perçoit pour les atomistes par une fine pellicule d'atomes. Tous les objets envoient devant eux une fine pellicule d'atomes. C'est cette fine pellicule d'atomes qui est perçue par nos sens, qui nous permet de voir. Eh bien, les dieux aussi sont composés d'atomes, mais d'atomes extrêmement... plus petits encore que les autres. Et en fait, la fine pellicule d'atomes que nous envoient les dieux est tellement fine qu'on ne peut pas les voir. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas perçus par le maillage d'atomes qui forme l'appareil de nos sens. Le maillage d'atomes qui forme l'appareil de notre pensée est suffisamment subtil, lui, pour les percevoir. Donc on perçoit leur existence, on sait qu'ils existent, mais de manière purement, uniquement par l'esprit et pas du tout par les sens. Ce que je trouve assez joli. C'est vrai. Donc, ce qu'on nous dit, c'est Héraclite, Anaxagore, Démocrite. Donc, vous avez compris, j'ai du mal à en faire une solidarité intellectuelle et philosophique, hein. Donc, pour les penseurs matérialistes grecs, j'ai aussi du mal à les unifier dans une notion matérialiste, mais bon, acceptons. Les signes sont solidaires du réel. Il y a une correspondance entre les éléments de la matière, ou atomes, et les éléments de la chaîne parlée, ou l'être. Non, les lettres, hein, pas lettres ontologiques, hein, les lettres. La philosophie atomistique considère qu'il y a quelque chose dans les éléments du langage qui reflète les qualités des choses elles-mêmes. Pour la théorie idéaliste, au contraire, les mots n'ont avec les choses qu'un lien purement conceptuel. Donc ça, c'est la position de Platon, par exemple. Ils ne disent rien de la chose elle-même, mais désignent seulement l'idée de la chose. Ce long débat est résumé dans le Cratyle, donc on vous a souvent évoqué ce texte, hein, où les deux conceptions s'opposent, l'une défendue devant Cratyle, l'autre devant Hermogène. Hermogène qui lui est un disciple d'Héraclite. Chemin faisant, Platon opte pour le caractère naturel du langage, avec cette petite nuance que le langage n'est pas physéi, enfin n'est physéi que parce qu'il désigne l'essence des choses. Il est aussi, en tant que création humaine, théséi. Donc cette opposition physéi-théséi, on va dire qu'elle recouvre plus ou moins les questions qu'on se posait tout à l'heure entre ce qui est réaliste, nominaliste, naturel, artificiel. Ça va accompagner effectivement la genèse de la pensée des sophistes, ce type de questions. Donc physéi, ça serait traduisible pardon, par nature. Ça irait par nature pour physéi? Oui. Et théséi, par thèse, par décision volontaire, délibérée, par convention, si vous préférez. La convention, c'est plutôt nomos, mais bon, c'est ça en gros, quoi. Entre le naturel et l'artificiel. Et voilà, en gros, c'est ça, hein, ce qui est ressorti d'une action humaine ou naturelle, parce que bah, c'est pas le résultat d'une volonté d'un être humain, quoi. Voilà. Donc, on retrouvera cette composition duel plus tard chez les latins, entre naturalis pardon, et positivus. Voilà. Donc, ça va... Ces questions, en fait, c'est assez marrant. Elles ont encore cours aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a chez les logiciens tout un pan logicien qui est réaliste, donc qui donne une existence concrète dans le monde des choses à leur vocabulaire mathématique. Les nombres existent, ils ont un caractère d'existence. Donc ces questions n'ont pas cessé d'exister. Et je vous dirais même un truc assez curieux, que peut-être moins imaginable, mais il y a aussi une pérennité aujourd'hui de la question de motivation des signes. C'est-à-dire qu'on a réinjecté cette question qu'on aurait pu imaginer complètement révolue. Hein, vous voyez, l'idée que les signes soient motivés. On l'a déplacée vers un concept que je ne connais pas bien, parce que je me sens complètement éloigné de ça, qu'on appelle l'iconicité, dans quelques théories linguistiques, notamment anglo-saxonnes, mais pas que. Et je vous ai trouvé deux trucs, je vous y renvoie, je vous les mets dans le chat si vous avez envie d'aller voir ça. J'ai trouvé un philologue hongrois, qui est aussi psychanalyste par ailleurs, qui évoque ça, qui s'appelle Ivan Vonagi. Je pense que les textes que j'ai trouvés sont assez intéressants. Ils donnent une assez bonne idée de ce dont on parle. Donc ça, c'est le texte de Vonagi. Et ça fait partie d'un corpus plus large de questionnements, hein, sur les questions d'iconicité. Je vous file le corpus lui-même, qui est entièrement disponible sur Percé. Donc vous pouvez aller voir tous ces textes-là, voilà, et découvrir un peu l'actualité, d'une certaine manière, de ce type de questionnement, si ça vous intéresse. Alors... Donc, chemin faisant, Platon opte pour le caractère naturel du langage, avec cette nuance que le langage n'est physéi que parce qu'il désigne l'essence des choses. Il est aussi, donc, en tant que création humaine, théséi. Donc, il trouve un équilibre entre la forme donnée au langage et, finalement, quand Leibniz proposait une figurativité de l'organisation des signes dans une proposition, donc de l'organisation elle-même et de la composition, tout en acceptant l'idée qu'il puisse y avoir une certaine distance, hein, de cette motivation à l'égard des signes eux-mêmes, au fond, la proposition platonicienne ne me semble pas très éloignée de ça. Alors, le nom, hein, le substantif si vous préférez, hein, est alors, ouvrez les guillemets, un instrument qui sert à instruire et à distinguer la réalité comme la navette fait le tissu. Une belle image. Ah oui, oui, c'est pas mal. Quand on sait les noms, on sait aussi les choses, dit Cratil, lui. Évidemment, ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on peut même ne pas savoir les noms du tout et savoir les choses. On peut tout à fait avoir une relation au monde qui ne soit pas nominale, hein, qui soit pourtant très fonctionnelle au niveau de la raison et de l'action. Ce qui est privilégié, c'est donc le signifié. Distinct du référent, dont il exprime l'essence. Le signifié, donc la forme que l'organisation de signes peut prendre pour se référer à quelque chose, voilà, il s'en distingue. Autre idée importante chez Platon, dans la mesure où le langage est aussi institué, donc là, pour le coup, Thésée, hein, donc doit être une décision humaine, une organisation humaine délibérée. Il doit l'être par un législateur qui connaisse la forme idéale de la chose. Alors cet acte de nomination est dans la Bible dévolu à Adam avant le péché. Alors ça, là encore, le caractère nominal, distributif des vrais noms des choses par Adam, c'est une question qui est largement discutée aussi rabbiniquement, mais qui n'est pas aussi simple pour les rabbins. La question, elle peut être abordée de toute autre manière, notamment, on peut imaginer que c'est un partage de souffle, hein, c'est-à-dire du souffle du logos divin qui est d'un seul coup redistribué par la créature, et l'enjeu étant plus ou moins, au fond, pour la créature, Adam, de trouver sa place. C'est-à-dire tous les noms qu'il n'est pas, enfin le nom qu'il n'est pas, le nom qui reste, c'est celui des Adama, qui n'est pas la chose qu'il nomme. Le caractère de nomination, il est assez ambigu dans les rapports d'Adam au reste des objets du monde, puisque c'est à la fois restitution du souffle de Dieu, mais aussi accaparement, d'une certaine manière, du monde dans lequel il va se déplacer. C'est un rapport d'empire et d'emprise aussi. Durant le Moyen-Âge, la discussion entre réalistes et nominalistes met en jeu les mêmes concepts, bien que la ligne de partage se soit légèrement déplacée. Les mots prêtent souvent à confusion. On peut croire que les réalistes sont dans la ligne des penseurs matérialistes et les nominalistes, les disciples du platonisme. En fait, c'est exactement le contraire, à vrai dire. C'est ça qui est drôle. D'ailleurs, le texte le dit par la suite. Et c'est exactement l'inverse. L'ambiguïté tenant simplement au sens même du mot réel. Être réaliste, c'est affirmer la réalité de l'être infini, dont les choses ne sont que l'extériorisation, c'est-à-dire la réalité des essences ou idées à laquelle les mots renvoient. Donc, on prend souvent l'exemple, hein, de la question des ensembles, par exemple, à savoir que oui, nous sommes tous conscients que les humains existent comme entités séparées, singulières, etc., et qu'ils ont une présence sublunaire dans le monde des choses. Pour autant, l'humanité n'existe pas. Elle est une convention de discours qui nous permet d'assembler, hein, pour en parler, un certain nombre d'humains et pour trouver des caractères qui vont nous permettre de conceptualiser finalement ce qui les lie. Mais l'humanité, on ne peut pas la croiser au coin d'une rue. Vous ne pouvez pas boire un coup avec l'humanité. Bah, si, vous pouvez avoir l'humanité sous le bras, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais avant de dire des conneries? En ce sens, le langage, comme chez Platon, est physéi, puisqu'il exprime la nature essentielle des choses. Pour les nominalistes, hein, au contraire, donc Guillaume d'Occam, Abélard, Thomas d'Aquin, il n'y a d'existence réelle que des choses particulières. Voilà ce que je vous disais quand je parlais des entités séparées, singulières, les singularités, d'accord, auxquelles les noms donnés par convention, donc Thésée, hein, correspondent, indépendamment de l'idée que l'esprit peut s'en former. Donc là, un assemblage qui est conceptuel. On pourrait dire une convention, si vous préférez. Le langage a donc une pure fonction de désignation. Il ne restitue rien, si vous voulez, des choses du monde. Contrairement à ce que dit Cratil, Par exemple, connaître le nom ne fait pas connaître les choses. Le langage a donc une pure fonction de désignation. Voilà. Il est en somme un instrument et n'entretient aucun rapport avec la nature au sens où l'on entendait Platon, c'est-à-dire une nature composée d'essence. Alors le caractère instrumental du langage, évidemment, exclut une forme plus contemporaine de compréhension du langage. Salut à toi limonadologie, dont je vous parle souvent évidemment, c'est le caractère d'advention de l'énoncé. C'est-à-dire le discours vous fait apparaître en tant que vous vous y énoncez. Vous êtes dans l'énoncé que vous énoncez. Par le langage, vous ne vous contentez pas de communiquer des idées, de dire des choses, de produire du sens, mais vous existez tout simplement. C'est aussi, je dirais, toute la faillite du modèle leibnizien, c'est que on peut pas forcément lui reprocher, enfin, il y a des impensables aussi hein, à ce moment-là, mais le caractère de singularisation est fondamental pour bien comprendre ce que le langage fait, ce qu'il produit de vous. Donc, il ne produit pas qu'un sens extérieur, il produit aussi vous comme sens. Cette problématique joue encore un grand rôle à l'époque qui nous intéresse. Leibniz, par exemple, attaque violemment le nominalisme de Hobbes, pour des raisons qui tiennent évidemment à ses propres conceptions philosophiques. On a bien vu qu'il tenait à cette motivation, même s'il la place dans l'organisation des termes de la relation dont il parle, n'empêche, il veut la maintenir absolument, cette espèce de ce que j'appelle la figuration, quoi. Il refuse aussi l'idée d'un langage tout de convention, où les mots n'auraient aucun rapport avec la nature des choses, si vous voulez. Mais l'essentiel est tout de même ailleurs, et pour Condillac aussi. Donc on a évoqué un peu Condillac à plusieurs reprises, hein, et à sa position. Donc là, Condillac, c'est la position dite sensualiste. C'est une espèce d'extension assez radicale de l'empirisme chez Condillac. Chez Condillac, par exemple, alors le sensualisme, c'est une proposition théorique qui descend, en gros, des propositions empiristes qui l'ont précédée. On a des pionniers de la position empiriste, c'est-à-dire pour lesquels c'est l'expérience du monde, l'expérience empirique du monde qui est la cause de la connaissance. Voilà, c'est pas Locke qui va le premier développer ça, c'est un certain Comenius, un siècle avant, qui va développer des thèses qui vont être considérées comme précurseuses de celles de Locke, hein, dans son essai sur l'entendement humain. L'essai sur l'entendement humain va sortir une ou deux décennies, je crois, après la mort de Comenius. Et chez Locke, donc, c'est une position d'empirisme radical qui fait de l'expérience l'origine de toute connaissance. Voilà. Donc les formes de l'empirisme, il y en a plusieurs. Hein. Bon, alors là, je vous fais pas le tableau, mais l'associationnisme, l'évolutionnisme et le sensualisme de Condillac. Et ça s'oppose donc à l'inéisme des idées, donc les idées innées dans les corps, ou aux formes plus intellectuelles de la connaissance, donc genre l'idéalisme, mais aussi le rationalisme. Et le sensualisme de Condillac se développe essentiellement dans son traité des sensations. Voilà. Et là, il excède la position empiriste par une radicalisation étonnante. Je vous ai causé la semaine dernière, je crois, la parabole de Condillac sur la statue, qui a graduellement et hiérarchiquement, c'est une hiérarchie dans les sens, hein, ça commence par l'odorat, vous vous souvenez de ça peut-être, donc qui a graduellement et hiérarchiquement des connaissances, mais en même temps les capacités de connaissance depuis l'expérience sensible, pas à pas, par petits bouts, par petites touches. Donc ça veut dire que pour lui, l'être humain naît d'une certaine manière vide, privé de toute forme innée, de toute idée, certes, mais aussi de tout moyen d'acquérir ces idées, d'acquérir ces capacités. Enfin, les capacités intellectuelles sont acquises dans l'expérience sensible complètement. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Alors, moi, j'ai une vision assez lointaine de Condillac. Je ne sais pas comment il s'en sort avec son humain vide. C'est plutôt bizarre. Tu as lu ça ? Pas du tout. Alors, il ferait dans la tier list Condillac qui serait dans la Sur la pile. Sur la pile, hein, parce que c'est quand même bizarre et ça donne envie. Alors, ça a l'air un petit peu chelou quand même, voire chez Père. Donc il pourrait être dans les trois catégories, le petit coco. Voilà. Où j'en étais. Condillac a fourni le pire des tweets. Ça, c'est malin, Docteur Rook. Mais l'essentiel... Condillac a fondé le pire détroit. La ville de Détroit. La ville aux États-Unis. Ouais. Détroit. Oui. Et... Bah, non, c'est pas. Je sais même pas si Cadillac a une manufacture là-bas, mais Détroit est connu pour ses manufactures de. Oui, Condillac, c'était. Docteur Condillac, il va comme sur les chapeaux de roue, Solarius, voilà. Ah oui, je vois. Oh là là. Oh putain. Ah la vache. Oh les couillons. Mais c'est pas vrai. Mais l'essentiel est tout de même ailleurs. Et pour Condillac aussi. Pierre Crench a déjà soulevé cette question à propos de la grammaire, de l'art de parler et de la pédagogie. S'il y a rupture, comment penser cette rupture? Ah, donc comment penser la rupture, c'est ça, entre l'expérience sensible, le langage, entre le monde des choses finalement et la façon de le formuler. À quel endroit cette séparation s'articulerait, quoi? À mon avis, on ne peut répondre à cette question sans sortir du champ propre aux théories du langage et du discours. Mon impression initiale était, vous vous en souvenez, que ces théories, y compris bien entendu celles qui concernent l'origine du langage, faisaient système avec une philosophie, une anthropologie, voire une politique. Dans cet espace orienté, deux lignes de force. La philosophie dite sensualiste, donc Condillac, hein, une nouvelle conception de l'histoire. Je voudrais souligner brièvement leur importance. Et moi, je vous ai amené un petit texte, si vous voulez, on peut le lire, qui peut être assez intéressant, qui mettrait en lumière les aspects de la philosophie du langage à Rome, de voir, donc après nos Grecs, comment ces théories du langage s'articulent et se posent à la période romaine, c'est-à-dire plutôt un siècle avant l'ère chrétienne, quoi. Quelques siècles après nos Grecs, quelle forme ça prend? Ça vous dit qu'on se lise un peu ça? Mais allons-y. Alors, c'est un petit texte d'un certain René Hamaker. Alors, René Hamaker, je ne sais pas qui c'est. Je l'ai croisé dans les bibliographies de Droz, donc une magnifique librairie d'érudition. Et on peut dire que c'est parmi les collections de livres savants les plus excitantes que je connaisse. Donc, il est donc, comme Droz, il est suisse. Et c'est un spécialiste visiblement de Saussure et d'une manière générale des questions linguistiques. Et là, il a fait un petit texte qui s'appelle « Aspect de la philosophie du langage à Rome ». Je ne vais pas forcément beaucoup le commenter parce que c'est un texte très descriptif. Donc tu m'arrêtes quand tu veux, mais on va voir ce que ça nous donne. Et si c'est chiant, bah, on repasse tout de suite au texte parce que je le découvre un peu avec vous. D'accord, c'est une lecture à froid. C'est une lecture à froid, donc on va voir où ça nous conduit. Alors, il sera question dans les pages qui suivent des idées de trois auteurs latins concernant l'origine du langage, Varron et Augustin, perpétuent à Rome la doctrine stoïcienne. Lucrèce y expose la doctrine épicurienne. Voilà, donc, ce sont des descendants de théories grecques et qu'ils vont actualiser dans le monde romain. Les théories que je vais rappeler sont donc essentiellement grecques, même si d'éventuelles influences réciproques, qui seraient des Slaves chez les auteurs en question, devaient résulter de leur seule intervention. Ainsi, Varron... Salut Bichette. Varron, donc c'est un siècle avant l'ère chrétienne, 116-27 avant JC, déclare-t-il quelque part qu'il a éclairé ses travaux étymologiques aussi bien à la lampe d'Aristophane de Byzance, donc Aristophane de Byzance c'est pas notre théâtreux, hein. C'est un grammairien alexandrin, donc tardif, 2e siècle avant l'ère chrétienne, qu'à celle de Cléante, qui est un philosophe stoïcien, lui du 3e siècle avant l'ère chrétienne. Et Lucrèce. Donc Lucrèce, c'est l'atomiste, hein, donc on a souvent évoqué ensemble, hein, qui est un siècle avant l'ère chrétienne à peu près. Donc comme on sait, verse dans la douce coupe d'un poème latin l'amère et salutaire doctrine d'Épicure. Épicure, Cléante, derrière eux Aristote, Platon, les réflexions latines sur la langue puisent à la meilleure philosophie. Malheureusement, le naufrage de l'Antiquité a noyé la plus grande partie des textes originaux auxquels se réfèrent Varron, Lucrèce et Augustin, dont les exposés sur les questions qui nous intéressent ici sont les plus complets et les plus précis que nous ayons conservés après ceux de Platon. En Socrate, pour ne citer que ce dialogue, est beaucoup moins dogmatique que ce que nous devinons de sa descendance stoïcienne, par exemple, et d'Aristote, qui ne s'occupait pas à proprement parler de la question de l'origine du langage. C'est donc par la philosophie qu'il faut commencer. Varron, par exemple, se réfère à plusieurs reprises à des conceptions d'ordre très général, qu'il est permis d'appeler épistémologiques. Ainsi, donc l'épistémologique, hein, là on l'a fait courte parce que je vous ai déjà fait un article sur l'épistémologie la dernière fois, donc on ne va pas recommencer, on va dire très globalement, même en dehors du cadre qu'il a vu naître, c'est-à-dire un cadre scientifique, ce qui est relatif aux théories de la connaissance. Ainsi, on le voit mettre sous le patronage de Pythagore une vision polarisée de l'univers, où règnent les couples de contraires tels que le fini et l'infini, le bien et le mal, la vie et la mort, le jour et la nuit. Dans la pensée grecque, une antithèse de ce genre a connu une extension particulière. C'est l'opposition entre nomos, qu'on l'évoquait tout à l'heure, entre physéisme et théséisme. Donc le nomos, c'est vraiment le cadre effectivement conventionnel, si vous voulez. Coutume et physis, nature, étudiés notamment par Heinemann. C'est de ce couple établi à un niveau très général qu'il faut partir, et notamment de la forme que lui a donnée le sophiste Antiphon. Donc là, on retourne dans le passé. Antiphon, c'est le 5e siècle avant l'ère chrétienne. Au nomos, qui est la loi sociale, la loi humaine, s'oppose donc la physis, qui serait la loi naturelle. Le premier s'établit en vertu d'un accord mutuel, intersubjectif et révocable. La seconde existe indépendamment de la volonté des hommes et irrévocablement. Comme Heinemann le montre, l'antithèse en question, quels que soient les termes dans lesquels elle s'exprime, est mise en œuvre non seulement de manière générale, en épistémologie, mais aussi de manière particulière en ethnographie et en médecine. Et en outre, justement, en philosophie du langage. S'agissant du langage, la dualité, ordinairement exprimée par l'opposition entre physis, nature et nomos, institution, doit être examinée de plus près, non seulement parce qu'elle peut être envisagée comme caractérisant des manières d'aborder soit l'essence, soit l'origine du langage, mais aussi parce que les termes qu'elle oppose sont à cet égard polysémiques. Et à bien des égards, vous avez vu que le vocabulaire qu'on emploie nous pose des problèmes polysémiques. Notamment, on l'a vu à propos de réalisme tout à l'heure, on pouvait arriver à des conclusions un peu trop rapides si on s'en tenait à une seule définition de réel, et je vais secouer ma bûche. Mais je t'en prie. Donc, pendant que Laurent secoue sa bûche, espérons hors champ. On le saura. Comment puis-je vous esbaudir, chat? Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être la dame à la bûche dans Twin Peaks. Allez, je vais aller secouer ma bûche. Allez, on va secouer la bûche. Bon, excusez-moi. Je pensais que c'était une lithotonaliste. Pas du tout. Je n'ai pas été secoué ma bûche, espèce de dégueulasse. La polysémie de Thésis, qui s'oppose à Physis, hein, au même titre que Nomos, dans les emplois qui nous intéressent, est dûment enregistrée par les dictionnaires qui font la distinction entre l'institution comme attribution ou application délibérée spécifiquement des noms aux choses, et l'institution comme accord conventionnel, ce que Aristote appelle synthèque, donc convention, accord. Quant à la polysémie de physis, chez les philosophes du langage, elle est explicitement attestée par un passage du traité d'Origène contre Celse. Et il s'agit des différents noms de la divinité suprême. Le fait qu'elle puisse avoir différents noms pose finalement toutes sortes de problèmes. Donc là, j'ai une petite citation. « C'est une discussion profonde et mystérieuse, donc on est chez Origène, hein, qui se présente à ce propos, celle qui concerne la nature des noms. Existe-t-il, comme croit Aristote, par convention? Ou comme l'estiment les stoïciens, par nature? Les premiers sons vocaux imitant les objets, conformément à quoi ils proposent certaines idées fondamentales de l'étymologie. » Vous comprendrez bien que la question d'une motivation des mots à prendre forme, qui pose toutes sortes de problèmes, implique des questions de généalogie. On ne peut pas les ignorer parce que comme c'est très insatisfaisant de se trouver confronté à la pluralité des mots pour désigner la même chose, ou de parfois l'incapacité à trouver un lien sensible quelconque entre la forme du mot et la chose, on est obligé, pour faire marcher le système, de lui supposer une espèce d'histoire, de généalogie, qui ferait dire qu'à un certain moment, c'était plus vrai, cette imitation, et que bon, quelque chose s'est perdu de cette, ce rapport de vérité, quoi. Ou comment, ou comme l'enseigne Épicure, les noms existent-ils par nature ? Mais autrement que ne le pensent les stoïciens, les premiers hommes ayant fait retentir certains sons vocaux conformément aux choses. Donc là, on revient à cette question de la généalogie. L'ensemble de ces considérations et les concepts que les termes présentés recouvrent, implicitement ou explicitement, peuvent être disposés dans le tableau schématique suivant. Alors le tableau schématique, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Est-ce que j'ai été assez malin pour y penser ou est-ce que j'ai été con comme la lune et j'y ai pas pensé ? J'y ai pensé. Donc vous voyez le tableau, il apparaît là à l'écran. On va le lire rapidement. Mais il y a plusieurs... Ah, dans la colonne de gauche, donc il y a, on va dire, les catégories dans lesquelles on va penser les oppositions entre nomos et physis. Donc en épistémologie et en anthropologie. Alors, première colonne, nomos, deuxième colonne, physis. Donc la colonne 1, les catégories, ou plutôt les disciplines, ou les cadres dans lesquels on va s'exprimer cette question, on est d'accord, hein? Deuxième, nomos, troisième, physis. Donc à chaque fois, dans ces cadres, à quoi ça correspond pour ces différents cadres. Donc, épistémologie, nomos, loi ou règle sociale, donc régnant de manière intersubjective, et donc fondamentalement variable. Et physis, loi ou règle naturelle qui s'impose à l'homme et qui serait invariable. Philosophie du langage, c'est plutôt thésis que nomos, hein, et c'est à l'institution, et physis, nature, selon les positions qu'on prend par rapport à cette idée. Essence du langage, donc thésis, détermination arbitraire des noms, donc chez Aristote, kata syntheken, qu'on vient de voir là, et Augustin, chez Saint-Augustin, des magistraux. Physis, donc c'est le langage comme manifestation de la physis, de la nature humaine dans l'essence du langage. Donc c'est encore autre chose. La nature humaine s'exprime de façon naturelle dans le langage. Donc ça, c'est pour son essence. Voyez, où va se placer le caractère finalement de représentation. Petit b, origine du langage. Nouvelle question. Donc par intervention délibérée de un ou plusieurs créateurs, donc là encore la question est difficile à imaginer, on imagine un conseil des sages, on a tous en tête une dizaine de types devant un poireau, allez, c'est bon. Alors je propose Trapacar, non. Trapacar, non, c'est non, non. Non, c'est un poireau, on est d'accord, c'est un poireau. Poireau, c'est pas mal, ouais, regardez, ah, ça non. Fait po, et puis là-haut, waro, waro, ça s'ouvre là, comme ça. Donc là, l'institution thésis, c'est l'attribution de noms étiquettes aux choses, en principe différents de langue à langue, parce que ça va poser ce problème, évidemment, si on pose la question de l'origine du langage, la polyphonie des langues, évidemment, complexifie largement le problème. Et l'aspect donc physis, nature, l'attribution des noms aux choses par iconicité et phonosymbolisme. C'est-à-dire iconicité, alors je ne sais pas comment on peut imaginer une iconicité ailleurs que dans une langue écrite. Hein, je ne sais pas comment on peut rendre iconique une phonation. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Voilà. Et phonosymbolisme qui laisserait imaginer, je sais pas, que chien, c'est chien, 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 ça, chien. Que le feu, c'est parce que c'est du feu. Ouais, c'est voilà. Il faut en arriver là. Le phonosymbolisme, imaginez comment on va trouver dans la phonation un caractère figuratif finalement. Et on entend bien dans le pantalon. Oui, complètement. On entend tellement pantalon. Je vois pas où ça va, mais c'est vraiment à chaque fois ça me laisse sans voix. Mais bon. Et ensuite donc pour l'origine du langage, là il y a soit la proposition intervention délibérée de un ou plusieurs créateurs. Bon, on voit pas trop comment ça marche. Petit 2, deuxième proposition par émergence spontanée à partir de cris. Et là, donc, on a soit la position TJ, c'est le moment ouaf. L'écrit, c'est variabilité du développement spontané des peuples selon les lieux et les circonstances. Donc, c'est une proposition d'Épicure. Donc, les caractères de, concrètement sociaux et intersubjectifs. Ou développement naturel grâce à la socialisation préalable. Donc, des formes. Ça, c'est une proposition de Lucrèce. Bon. Donc là, je crois que vous avez le tableau complet des difficultés, des propositions, etc. Ce tableau fait apparaître clairement les différentes conceptions de termes, en général simplement opposés l'un à l'autre. En forçant un peu l'interprétation de ces données, on pourrait soutenir que la colonne nomos se rapporte au fond à la langue comme idiome et la colonne physis au langage comme faculté, que j'appelle moi souvent comme activité, mais ça me va comme faculté. Mais je ne vois pas par où, évidemment, cette faculté, hors du développement dont il est question, pourrait s'exprimer sous des formes figurales, quoi. Bon, peu importe. Quoique Varron et Augustin figurent dans plusieurs cases du tableau, je ne signalerai leur théorie que dans la mesure où elle concerne l'origine du langage. On commence par Varron. Les 6 livres conservés, donc sur 25 livres de Varron, conservés du De Lingua Latina, de la langue latine, de Varron, comprennent l'étymologie pratique et la morphologie théorique. L'étymologie, ça a été longtemps une antienne de la pensée sur le langage. Un des penseurs et philosophes importants du christianisme, Isidore de Séville, a longtemps été une somme, avec donc, ces étymologies, justement, qui sont un monument de bizarrerie. Là, on est vraiment dans la catégorie philosophique chez Père, où les propositions étymologiques peuvent passer par une grande variabilité illustrative et parfois, effectivement, très figurative. Mais ça va, l'étymologie va longtemps prendre une place centrale dans la façon de penser, d'observer, de questionner le langage, donc, d'une certaine manière, le caractère originaire. Cette perte n'a laissé subsister que quelques bribes se rapportant à l'origine du langage. Il n'est du reste même pas certain que Varron y ait consacré un développement explicite dans un des livres d'étymologie théorique. En tout cas, ce qu'aujourd'hui nous lisons à ce propos paraît peu cohérent. Varron semble supposer que le latin apparaît aux confins chronologiques les plus reculés et donc inaccessible à l'enquête historique, ce qu'il semble désigner par l'expression « d'origine royale ». Voilà un petit extrait qui va peut-être nous éclairer sur cette drôle de chose. Le 4e degré de l'étymologie, je ne sais pas ce que sont les 3 autres, donc, est celui où se trouve le saint des saints et les origines royales. Et si je n'y parviens pas par la connaissance, du moins je chercherai à les saisir par le raisonnement hypothétique, procédé qu'adopte aussi parfois le médecin à propos de notre santé quand nous sommes malades. C'est-à-dire l'observation des mots comme des symptômes historiques. Intéressant. Si on peut interpréter ce passage comme une allusion à l'origine de la langue, le roi en question paraît être à lui seul le créateur du latin. En ce cas, il serait le même que le roi latin mentionné quelques lignes plus bas, c'est-à-dire Romulus. Varron ne veut pas rester à l'explication étymologique des seuls mots poétiques, donc. En effet, il ne me paraissait pas logique à propos de tels mots que le poète Ennius avait forgé d'en chercher l'explication et de négliger tels mots qu'un roi latin avait précédemment forgé, quand bien même je tire plus de plaisir que d'usage des mots poétiques et que je tire plus d'usage que de plaisir des mots anciens. Ou bien ne serait-il pas vrai que les mots qui me sont parvenus en héritage de la part du roi Romulus, sont à moi plutôt que ceux qui m'ont été légués par le poète Livius Andronicus. C'est-à-dire, on comprend que les types de relations qu'il entretient avec les mots ont des caractères d'héritage de 2 lignées qui semblent assez partagées ici. Et ce partage, il le retrouve entre plaisir et usage, c'est-à-dire on pourrait dire en gros sur la jouissance immédiate du fait de langage et le fait de langage comme organisation du sens. Et pour cela, il propose de tirer 2 lignes généalogiques. Étrange. Ailleurs, le créateur reste un impositor anonyme. Ou encore, il s'agit simplement d'un homme sans autre précision. Une fois pourtant, Varron mentionne au pluriel les créateurs de la langue. Il est vrai que c'est plus dans la partie étymologique de son ouvrage et que sa source est peut-être différente dans la partie morphologique. Dans le passage en question, l'auteur admet en outre que ces créateurs multiples du latin ont même pu faillir ici ou là. Extrait. Allons-y. En effet, même ceux qui, les premiers, ont attribué des noms aux choses, il se peut qu'ils aient trébuché à propos de certains d'entre eux. En effet, on pense qu'ils ont voulu désigner les choses singulières de manière que la variation formelle se fit pour obtenir le pluriel à partir d'elles. En fait, à partir des désignations choisies. Par exemple, à partir de homo, l'homme, homines, les hommes, qu'ils ont voulu désigner les enfants mâles de telle manière que les filles résultent de la variation formelle à partir d'eux. Par exemple, à partir de Terentius, Terentia. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Terentius, Terentia. C'est un rapport... excusez-moi, mais alors là... J'ai cherché ça parce que là, là j'ai un trou. Donc, une procession du mot, depuis la variation formelle à partir d'eux. Donc, les filles résultent de la variation formelle à partir d'eux. Donc, des variations formelles des filles à partir des enfants mâles. Donc, la femme comme déclinaison, en fait, d'un corps masculin, c'est ça? Au cas direct, les mots qu'ils attribuaient de telle manière que ce fut de là que dussent résulter les mots à quoi ils aboutiraient, donc les mots premiers, hein, dans leur variation formelle. Excusez-moi, mais alors là, la formulation est vraiment bizarre. Donc, je vais refaire la phrase en entier, parce que je la trouve trop curieuse. Alors... on la refait, elle est étrange, on va essayer de la comprendre. En effet, même ceux qui les premiers ont attribué des noms aux choses, il se peut qu'ils aient trébuché. D'accord. En effet, on pense qu'ils ont voulu désigner les choses singulières. On a une vision très substantive quand même de la langue et du langage, hein, c'est-à-dire... On laisse complètement de côté que parler, c'est faire bien autre chose que de poser des substantifs à la queue leu-leu. C'est tout à fait autre chose. Lorsque je vous parle, à vrai dire, les substantifs prennent une toute petite place à l'intérieur de ma phrase. Les objets mots qui construisent les discours sont infiniment plus nombreux. On a fait un point grammaire la dernière fois et on a vu ça ensemble. Mmh. Alors... on pense qu'ils ont voulu désigner les choses singulières de manière que la variation formelle se fit, pour obtenir le pluriel, à partir d'elles, à partir des choses singulières. Donc en fait, à partir des désignations choisies, pas à partir des choses elles-mêmes, d'accord. Ils ont formé les... Ah d'accord, la question se pose sur des mots qui pourraient perdre de leur limpidité dans leur relation aux choses, tout simplement parce qu'ils ne sont pas des mots qui partent depuis les choses, mais depuis les déclinaisons qui sont faites depuis ces choses, comme le pluriel par exemple. Par exemple, à partir de homo, l'homme, homines, les hommes. D'accord, je comprends. Je comprends qu'effectivement, la motivation du mot homines ne trouve pas sa cause dans l'éventuel lien de ce mot avec les hommes, mais de son lien avec le mot singulier homo. Vous avez compris? C'est clair? Ouais, oui, oui. D'accord. Qu'ils ont voulu désigner les enfants mâles de telle manière que les filles résultent de la variation formelle à partir d'eux. D'accord, donc on, même cas de figure, à partir de Terentius Terentia. Mais comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu pourrais l'écrire de... Parce que là, j'ai écrit Terentius et ça me renvoie à Terence, en fait. Copier, je te mets ça là. Okay. Voilà, Terentius Terentia. Voilà, comme ça, dans le chat. Ah bah, Terentius Terentia, moi, les seuls renvois que j'ai, c'est le nom Terence. Ah bah, on est mal. Terence. Hein. Ok. Donc la famille romaine des Terentia. Okay. Terentius, donc... Ok. Bon, tant pis. Au cas direct, les mots qu'ils attribuaient, donc les gars qui sont en train d'inventer les mots, donc, de telle manière que ce fut de là que dussent résulter les mots à quoi ils, donc les mots premiers, aboutiraient dans leur variation formelle. Mais qu'ils n'ont pas pu respecter ces intentions dans tous les noms, puisqu'on dit « scopae », ce qui veut dire des balais, hein, aussi bien pour un objet que pour deux objets, puisque « aquila », aigle, est aussi bien le mâle que la femelle, puisque « wis », mouton, est aussi bien l'appellation directe qu'à l'appellation oblique. Oblique, ça veut dire que ça peut être un... ça peut être un adjectif, mouton, on peut dire de quelque chose qu'il est mouton. Ah, une chose mouton. Écoutez, moutonnante, un assemblage de particules de moutons coexistantes temporellement. D'accord. Bon. C'est compliqué. Le texte n'est pas limpide. Ces créateurs multiples qui peuvent se tromper à l'occasion me semblent être bien plus historiquement humains que le créateur unique. Fut-il le roi Romulus, que Varron admet ailleurs sur le modèle de l'artisan de nom supposé dans le Cratyle. Et leur création est une langue réelle, le latin, ou plutôt la part du latin, qui ne provient pas d'une source étrangère. C'est que transportant à Rome des doctrines linguistiques grecques, les Romains leur donnaient pour ainsi dire automatiquement une valeur nouvelle, fondée sur l'inévitable sentiment de relativité que la différence des langues induisait, quoique sans doute de manière très généralement implicite et inconsciente. Donc les Romains leur donnaient pour ainsi dire automatiquement une valeur nouvelle, donc à ces mots, fondés sur l'inévitable sentiment de relativité que la différence des langues induisait. Donc ils injectent dans leur langue, la langue des autres, mais avec une plasticité, une réattribution propre à la leur. Donc pas telle qu'elle. À propos de la naissance du langage, la prise en compte de cette différence, qui est indubitable dans le texte, aurait pu déboucher sur une critique de l'origine iconique, et partant probablement monogénétique prônée par les stoïciens. Mais il semblait qu'il n'en a rien été. S'il faut en croire les critiques exprimées par Quintilien, au 1er siècle de notre ère, et plus tard par saint Augustin, ce que les sceptiques relèvent, ce n'est pas le désaccord entre les différences linguistiques observées et l'uniformité originelle qu'implique, sous sa forme radicale, puisqu'elle est par définition monogénétique, donc avec une seule cause, une seule histoire, une seule genèse, si vous préférez, l'hypothèse d'un rapport naturel du nom à la chose, ni le nombre finalement dérisoire de mots iconiquement motivés. Et c'est sûr qu'on aura beaucoup de mal à les trouver. Mais c'est tantôt l'absurdité des décompositions étymologiques proposées, tantôt le risque de la circularité d'explications sans fin, et surtout la constatation selon laquelle, comme l'interprétation des rêves, l'étymologie des mots est déterminée en fonction de l'ingéniosité de chacun. Donc ça, c'est une citation de Varron. Comme l'interprétation des rêves, l'étymologie des mots est déterminée en fonction de l'ingéniosité de chacun. Ah oui, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de méthode scientifique pour essayer d'interroger l'étymologie. On comprend en fait que c'est quand même ouvert. Mais ceci, quand on lit Isidore de Séville, on s'en rend compte, quoi. Le rapport à l'étymologie est presque un rapport occulte. On a l'impression qu'il ouvre un mot comme les augures pouvaient ouvrir un poisson, quoi. Ah, okay. Il compare les lobes des syllabes. Alors, il est temps de passer à ce qu'on peut entrevoir des versions romaines de la motivation iconique du langage. Oui, si les exemples sont évidemment latins, la doctrine implique, dans la mesure même où il est naturel, le caractère universel du phénomène. C'est donc à cette prétendue naturalité que je vais m'attacher dans ma lecture d'Augustin. On va passer à ce très cher saint Augustin. Oh, je ne l'ai même pas mis dans ma liste, dis donc. Oh, quelle honte. Augustin. Donc là, on passe au IVe siècle après l'ère chrétienne. Un des pères de l'Église, grand philosophe. Voilà, la cité de Dieu, tout ça, les confessions, taratata. L'exposé de l'étymologie stoïcienne se trouve dans le traité inachevé des Dialectica. Je ne vous cache pas que je n'ai pas lu ça. Augustin. Moi non plus. Donc, bon, eh ben, on va mettre sur la pile. J'ai lu les deux que tu as mentionnés. Bah oui, comme nous tous pratiquement, je crois. Oh, tu sais ce que j'ai trouvé? Oh, il faut que je te montre ça. Il est où? J'ai trouvé les lettres de Saint Jérôme dans une bouquinerie. Je suis content. Excellent. Oh, j'ai hâte de lire ça. J'ai trouvé les lettres de Saint Jérôme. Je pense que je les ferai bien en live. Ça va faire chier tout le monde, mais je m'en fous complètement. Dans cet ouvrage, fait par acquis de conscience plutôt que par conviction, je ne sais pas ce qu'il entend par là, Augustin reprendrait, selon certains philologues, un enseignement tiré des livres perdus de Varron. Thèse vraisemblable, mais non absolument certaine. Alors, pourquoi nous en encombrer? Augustin lui-même est en tout cas responsable d'une partie des exemples, notamment ceux dont la connotation chrétienne est indéniable. Mais son exposé, abstraction faite de l'étymologie pratique, mise en œuvre par Varron, est le plus complet que nous ayons des idées fondamentales de l'étymologie stoïcienne signalée par Origène. La théorie stoïcienne, telle que je crois pouvoir l'interpréter, cherche essentiellement à motiver tout le lexique en suivant le modèle de la part qui en est effectivement motivée morphologiquement. D'accord ? Sans que je comprenne moi vraiment ce que ça peut vouloir dire, enfin comment on peut motiver morphologiquement un mot, mais bon, pourquoi pas. J'ai montré ailleurs que la décomposition étymologique du lexique repose sur des mécanismes linguistiques qui sont tous à l'œuvre dans la langue actuelle. Donc composition et dérivation, extension de sens par les figures, etc. Et que toutes les transformations supposées des mots, donc par adjonction, suppression, interversion, changement de lettres phonèmes, existent dans les irrégularités morphologiques réelles de la langue. Donc, que ce qui caractérise la fausseté de ces analyses, c'est non pas l'ensemble des mécanismes formels supposés, mais le fait qu'elles ne sont pas garanties par des régularités morphologiques ressenties et appliquées par la collectivité des sujets parlants. Bref, la postulation ad hoc. Donc, la petite idée ad hoc qui correspond à point nommé si vous préférez, mais qui est complètement circulaire, quoi. L'un des risques de ce genre d'analyse est la circularité et la régression à l'infini des justifications étymologiques. La critique devait avoir été adressée aux stoïciens, puisqu'ils s'en prémunissaient en fondant la motivation, en dernière analyse, sur l'iconicité des mots originels. C'est bien pratique, puisqu'on ne les a pas sous la main, on peut toujours arguer que c'était mieux avant. Pour eux, dans la version de leur théorie que nous donne Augustin, la source iconique première du langage est l'onomatopée. Alors, on est en plein d'art. Hein. Mimésis sonore d'un objet sonore. Et c'est ça. La citation suivante expose l'objection et la réponse. Donc c'est pratique de faire tout ça dans le même livre. Vous n'avez personne pour vous casser les couilles. Vous faites tout ça tout seul. Les stoïciens affirment, c'est vraiment la prolepse en action, affirment qu'il n'y a pas de mot dont il ne soit pas possible d'expliquer avec certitude l'étymologie. Et puisqu'il aurait été facile de les acculer en disant que c'est là une tâche sans fin, que de rechercher à son tour l'étymologie des mots au moyen desquels on explique l'étymologie d'un mot quelconque, ils répondent qu'il faut procéder à cette recherche jusqu'à ce qu'on parvienne au point où la chose désignée et la forme sonore du mot concordent par quelques ressemblances. Par exemple, quand nous parlons du tintement, tinnitus, d'un tambourin de bronze, du hennissement, hinnitus, des chevaux, du bêlement, Ah, c'est la logique de livre pour enfants, quoi. Mais c'est ça. Et du bêlement, la tousse, des moutons, du fracas, clangor, des trompettes, du grincement, stridor, stridor, des chaînes. Bon, tu vois bien en effet que ces mots... La vache, elle fait meuh. Oui, mais... Le cochon, il fait vos papiers. C'est ça. Le canard, il fait coin, coin. Tu vois bien en effet que ces mots font entendre le même son que les choses qui sont signifiées par ces mots. Eh bien, à ça, je répondrais non. Mais bon. Quand l'onomatopée n'est pas possible, c'est-à-dire quand l'objet qu'il faut désigner n'est pas sonore en lui-même, la création iconique du mot se fait par synesthésie, donc combinatoire des sens. Augustin prend le cas particulier des rapports entre le toucher ou le goût et le son. Oh, comment fait-il ça? Citation. J'adore ce texte. Augustin. Aussi délicieusement le miel touche le goût précisément en tant que chose, autant doucement il touche l'ouïe par son nom. Mel. Augustin. Âpre et rude au point de vue des deux sens. Lana, laine et houx et presse, buisson épineux, affectent le toucher en tant que tel de la même manière qu'ils affectent l'ouïe en tant que mot. Alors tu vois comme ça, oui. Augustin, ouais. Je l'aurais pas mis chez les Schépers, mais là je crois qu'il va mériter. Hein. En fait des fois ouais, en fait Augustin ouais. Des fois un peu quand même. Bon, l'étape suivante n'a plus grand-chose à voir avec l'iconicité. Le mécanisme supposé est celui... Quand je pense qu'il existe encore aujourd'hui des théories de l'iconicité, je frémis à l'idée de lire les comptes rendus. Il va falloir que je me plonge dans les textes que je vous ai suggérés tout à l'heure, parce que vraiment, ça me démange, là. Oui. Ouais. Le mécanisme supposé est celui de la similitude des noms. Surtout parce qu'effectivement, on a une vision de la langue purement substantive, c'est aberrant, quoi. Le mécanisme supposé est celui de la similitude des noms, fondé sur la similitude des choses, une ressemblance quelconque des référents expliquant la ressemblance partielle des désignations phoniques. Et à cela, personne ne pose la question toute bête, mais qui s'impose quand même, c'est pourquoi partielle ? Faut savoir. Ça, c'est motivé ou pas. Pourquoi partiel? Franchement, il n'y a aucune raison au monde. Dans le texte, Augustin reprend les deux premières étapes, onomatopéique et synesthétique, avant de mentionner le phénomène qui nous intéresse. Oh, le phénomène qui nous intéresse. Vas-y, Augustin, on t'écoute, on est tout oui. C'est cela, donc ces correspondances, qu'ils, les stoïciens, ont cru être, pour ainsi dire, le berceau des mots, correspondances à l'occasion desquelles les sensations produites par les choses pouvaient être en accord avec la sensation produite par les sons. Qu'à partir de là, la possibilité de donner des noms s'est étendue à la ressemblance mutuelle des choses elles-mêmes. Ainsi, alors que par exemple crux, la croix, a reçu son nom du fait que la rudesse du mot lui-même est en accord avec la rudesse de la douleur que provoque la croix, bien sûr, croura, les jambes, cependant ont reçu ce nom de crous au singulier, non pas à cause de la rudesse de la douleur, mais parce que parmi les autres membres du corps, elles ressemblent davantage par leur longueur et leur dureté au bois de la croix. Je vous laisse tous et toutes réfléchir mûrement à ce génie intégral. C'est du génie. Comment dire? Alors, juste chez les onomatopées, quand même, juste répéter une évidence, quelque chose qui... J'adore. Je suis même surpris que les latins... c'est que les onomatopées changent quand on change de langue. C'est un des faits linguistiques de base, vraiment. Hein. Les onomatopées changent quand on change de langue. Bah oui. Je suis vraiment surpris du degré d'aveuglement au monde qui les entoure, qui leur a permis de d'émettre cette hypothèse. Parce que, sincèrement, de la part d'un philosophe grec, je m'y serais attendu parce que pour les philosophes grecs, il n'y a que la langue grecque qui existe. À peu de choses près. Hein. Mais les philosophes latins, et notamment Augustin, alors je ne sais pas si Augustin parlait plusieurs langues ou uniquement le latin, mais même s'il ne parlait que le latin, dans sa vie, il a été confronté à des personnes qui parlaient d'autres langues. Donc il a... Bah, on entend aussi souvent dans ces préoccupations à la fois étymologiques et originaires l'idée qu'il y a une perdition et que leur quête, elle se rabat toujours sur une langue princeps, tu vois, postulant qu'il y a quelque chose à reconquérir de la langue adamique. C'est ce qui va les sauver à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va être dans la langue d'une proximité imaginaire entre la langue de l'origine et le présent. Et après, on peut toujours s'amuser à dire, bah voilà, la pluralité post-babélienne des langues, ou il y a deux, tu vois, il y a deux choses qui s'abattent sur la langue originaire. Il y a évidemment l'éviction de Gan Eden, donc le péché originel et la sortie d'Adam de Gan Eden. Et la deuxième, évidemment, c'est Babel. Mais qu'on peut tenter de reconquérir la langue originaire et grâce à ça, essayer de masquer, de colmater, tu vois, toutes les imprécisions de la pluralité des langues, disant, bah voilà, oui, certes, mais peut-être que cette langue est juste trop éloignée de la langue originaire. Chacun y allant, évidemment, de sa propre... évidemment, Leibniz choisissant l'allemand comme langue princeps, etc., etc. Non, chacun choisissant son angle de cécité, on va dire. Alors, inutile d'étudier la suite du texte, puisque le procédé métaphorique, similitudo, mis en jeu à la troisième étape, ne suppose pas plus de lien naturel contraignant du nom avec la chose désignée, que ne font aux étapes suivantes les procédés de la métonymie, de l'antiphrase, de la synecdoque, c'est-à-dire des procédés sémantiques courants, toujours à l'œuvre dans la langue présente et codifiés par la rhétorique. Vers la fin du chapitre consacré à l'étymologie, Augustin donne une illustration détaillée de la démarche des stoïciens dans leur quête de l'origine naturelle des mots. Il se place d'abord au point de départ supposé de la création lexicologique. Se mettant pour ainsi dire dans la peau de l'artisan des noms, avant de suivre à rebours, à propos des mêmes mots, l'enchaînement des étapes de leur création. On y va. Personne ne rejette l'idée que les syllabes dans lesquelles la lettre V tient lieu de consonne, comme les premières lettres dans les mots « va faire », donc débrouillard. Ah, c'est « va faire », débrouillard. Va faire un petit truc. Va faire, débrouillard. velum, donc voile, vinum, vin, vomis, soc, vulnus, blessure, rendent un son épais et pour ainsi dire vigoureux. Quand nous disons vice, la violence, la force, le son du mot, pour ainsi dire vigoureux, est en accord avec la chose qu'il désigne. Puis, sur la base du rapport métaphorique dont il a été question, on peut penser que c'est par l'effet qu'ils produisent, c'est-à-dire parce qu'ils sont violents, violenta, que les vincula, les liens, les fers, ont reçu leur nom, et le vim, en brin d'osier, parce qu'il sert à lier telle ou telle chose, vincire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce qu'il y a de remarquable dans ce passage du texte par rapport au précédent, dont le point de départ est le procédé onomatopéique, ou si on passe le mot lexico-symbolique, c'est le recours impromptu pour la première étape à une forme différente de correspondance naturelle entre le son et le sens, celle qui implique un procédé iconique, donné pour irréfutable, le procédé phono-symbolique. Pour le coup, c'est plus le son vocal qui se règle sur les bruits produits par les entités de la nature, ou sur les impressions qui, pour les créateurs de la langue, y correspondraient par synesthésie, ces bruits étant implicitement considérés comme la caractéristique définitoire suffisante de l'entité en question et lui valant son nom. Donc là, il y a une espèce de chaîne comme ça, si vous voulez, de rebondissement de mot en mot, hein, pour conserver quelque chose de cette propriété. C'est en revanche la signification linguistique qui se règle sur la qualité intrinsèque du son vocal. Celui-ci, donc en gros, étant établi dans la langue, d'un seul coup, il permet à d'autres mots d'hériter de cette signification motivée. Ben tiens. Par là, Augustin et ses sources stoïciennes rejoignent au moins partiellement les spéculations du Cratyle sur la valeur descriptive des sons linguistiques et sur leur usage par le créateur de la langue pour peindre phoniquement la réalité, sans que pour autant le personnage de Socrate admette parallèlement le procédé simplement onomatopéique. Chez Épicure, en revanche, l'origine naturelle et spontanée du langage n'empêche pas la différenciation des idiomes corrélative à la différenciation des groupes sociaux. À cet égard, Lucrèce se distingue peut-être de son maître, hein, s'il est vrai qu'il en reste une conception anthropologique de l'origine, sans se préoccuper des différences sociologiques, ni par conséquent de la différence des idiomes. Alors, voyons ce que ça donne effectivement avec Lucrèce. Donc Lucrèce, hein, c'est les premiers siècles après l'ère chrétienne. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'allume un ongle de chevet, elle s'écrit lampe, disuse. Et le clic de ma souris, quand je clique dessus, bah, ça fait clic, disuse. Voilà. Et oui. Alors, ce qui différencie foncièrement les précédentes idées épicuriennes sur l'origine naturelle du langage, du moins telles que nous les lisons chez Lucrèce, c'est leur caractère éminemment intersubjectif. Et le fait que pour l'auteur latin, donc Lucrèce, hein, le langage est enraciné dans les différentes obligations de la vie collective, elle-même apparue avant l'interaction linguistique. Donc voilà ce qu'imagine Lucrèce, donc une espèce de constitution sociale antérieure à la nécessité ensuite de causer. C'est-à-dire qu'on a une groupe de 20 zozos qui, bon an, mal an, dirigent des troupeaux de chefs depuis quelques années ensemble, fabriquent des huttes, mais ils n'ont rien à se dire. Il y a quand même un moment autour du feu, il va bien falloir chanter une chanson, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et tous les autres qui le regardent très surpris, hein, et qui viennent de comprendre. Mon Dieu, il a trouvé quelque chose. Alors aussi, l'amitié commença à nouer ses liens entre voisins, désireux de s'épargner toute violence mutuelle. Ils se recommandèrent, et les enfants et les femmes, faisant entendre confusément de la voix et du geste qu'il était juste que tous eût pitié des faibles. Oh, c'est beau. En fait, c'est la compassion qui va faire naître le langage chez Lucrèce. Franchement, c'est beau. Hein. C'est vrai. Je veux bien, là, je veux bien. Ah oui, c'est beau. Ce n'est pas que l'entente puisse se faire partout et dans tous les cas, mais une grande partie des hommes observaient pieusement les pactes conclus. Sinon, le genre humain eût dès lors entièrement disparu et sa descendance n'aurait pas pu se prolonger jusqu'à nos jours. Mais oui. En revanche, dans les textes d'Épicure, que nous connaissons par les fragments, donc Épicure, c'est 3 siècles avant la chrétienne, que nous connaissons par les fragments que Diogène Laërce en cite, un demi-millénaire plus tard quand même, hein, le seul élément préalable au langage qui soit mentionné est le progrès des connaissances variables selon les groupes humains. Cet apprentissage spontané qui résulte des circonstances débouche sur le développement de la réflexion. À cette occasion, le philosophe insiste sur les différences culturelles et sociales entre les peuples, différences qui vont se retrouver en un second temps dans les langues, par le détour, si je puis dire, de l'expression strictement individuelle. Citation de Lucrèce. En conséquence de quoi, il faut supposer que ce n'est pas par institution qu'à l'origine les noms étaient créés, mais que naturellement les hommes dont les passions et les représentations varient de peuple à peuple émettent de façon individuelle l'air à modeler et produit par chacune des passions et par chacune des représentations, conformément à la différence régnant alors parallèlement au lieu occupé par les peuples. Et que plus tard, c'est de façon collective que dans chacun des peuples, des mots qui leur étaient propres ont été institués afin que les actes significatifs se fissent moins ambigus dans la communication mutuelle et signifiés de manière plus concise. Parce que voilà, au début, en fait, quand il y avait 50 personnes autour du feu, hein, chacun appelait le feu d'un mot différent. Donc c'était compliqué entre eux, vous pouvez l'imaginer, quoi. Voilà. En fait, c'est l'anti-Babel, c'est-à-dire que les gens ont commencé tous par parler leur propre langue. C'est ça. Et ensuite, il a fallu qu'ils se mettent d'accord parce que c'était pas possible autrement. Parce qu'ils vivaient ensemble, quoi. Mais oui. Lucrèce, quant à lui, simplifie et généralise le point de vue. Non seulement la socialisation naissante est-elle pour lui historiquement préalable à l'émergence du langage, mais encore les facultés naturelles de l'homme trouvent à se manifester d'abord dans une activité sémiotique, donc productrice de signes, si vous préférez, élémentaire, déclenchée par le besoin, donc par la nécessité, hein, qui est manifeste même chez les animaux. Je ne cite que quelques fragments du texte. On y va. Quant aux divers sons du langage, c'est la nature qui poussa les hommes à les émettre, et c'est le besoin qui fit naître les noms des choses, à peu près comme nous voyons les enfants amenés à recourir aux gestes par leur incapacité même de s'exprimer avec la langue, qui leur fait désigner du doigt les objets présents. Tout être, en effet, a le sentiment de l'usage qu'il peut faire de ses facultés. Donc on est d'accord, ça barre commence là-dessus. C'est cette dernière phrase qui est importante. On a des rapports de nécessité. C'est des rapports de désignation, donc encore des rapports substantifs. Hein, il faut nommer les choses. Mais là où c'est marrant, c'est que ce qui n'est pas dit par Lucrèce, c'est que le geste par lequel on montre une chose, il est un. En fait, qu'il monte du doigt un chien, un caillou ou un flic, l'enfant fait le même geste à chaque fois. Il tend le bras et il pointe le doigt. Donc, on ne résout pas ce problème-là. Donc, évidemment, ce rapport de désignation est assez peu illustratif de la volonté là, de nous produire une genèse hein, du langage. C'est aussi très curieux ce qu'il dit sur le fait qu'on a un sentiment inné de nos facultés. C'est-à-dire qu'il suppose que l'enfant... L'enfant se dit que... Je ne saurais comment le formuler, mais... si je tends la main, je peux attraper le langage. C'est ça, ça fait ça. Il sent qu'il pourrait dire un truc, mais il ne sait pas ce que dire veut dire. Alors, non seulement ce texte mentionnant des hommes en général ne fait allusion à aucune différence linguistique selon les populations, et encore moins selon les individus, mais encore la suite, qui est une très vive critique de l'hypothèse de l'impositor, présente contre cette hypothèse, comme un argument dirimant, l'impossibilité pour un individu de simplement concevoir l'utilité du langage encore à venir si autrui n'avait pas déjà parlé lui aussi. Ce qui revient à faire entendre que seule l'intersubjectivité peut avoir débouché sur la création nécessairement collective du langage. C'est extraordinaire. Donc ça suppose effectivement un rapport collectif, mais pour autant, il est toujours arc-bouté à l'idée que quelque chose est toujours déjà commencé, ce qui est très probablement vrai, mais pas dans le cadre qui nous est proposé ici, qui est quand même un cadre de création, si vous voulez. C'est assez curieux. Donc, diriment, c'est un empêchement, si vous voulez. Alors, autre petite citation. Aussi penser qu'alors, quelqu'un ait pu donner leur nom aux choses, et que les hommes aient appris de cette source les premières appellations, c'est déraisonné. Car pourquoi celui-ci aurait-il pu désigner toute chose par des mots, et produire les sons bariolés de la langue, tandis que l'on supposerait que d'autres n'auraient pu le faire en même temps que lui. En outre, si d'autres que lui n'avaient pas également usé de mots entre eux, d'où la notion de leur utilité serait-elle implantée en lui? Et d'où aurait-il reçu le privilège de savoir et de voir par l'esprit ce qu'il voulait faire? On se la refait parce qu'elle est intéressante. Hein. Pensez que, alors, quelqu'un ait pu donner leur nom aux choses, et que les hommes aient appris de cette source. Les premières appellations, c'est déraisonné. Donc l'idée d'avoir l'impositeur, quelqu'un qui crée des mots, si vous voulez, et tous les autres qui viendraient s'impliquer de cette façon-là, en acceptant finalement une imposition du terme. Pourquoi celui-ci, donc ce premier, ce princeps, aurait-il pu désigner toute chose par des mots et produire les sons bariolés de la langue, tandis que l'on supposerait que d'autres n'auraient pu le faire en même temps que lui? Donc, évidemment, là, il part de l'institution collective, et il ne voit pas par quel miracle elle pourrait avoir une cause unique dans ce cadre, hein, ce qui veut dire une coupure radicale, alors que le langage est précisément l'opération d'un lien de construction. En outre, si d'autres que lui n'avaient pas également usé de mots entre eux, d'où la notion de leur utilité se serait-elle implantée en lui? Et d'où aurait-il reçu le privilège de savoir et de voir par l'esprit ce qu'il voulait faire? Donc, nécessité décrite ici par Lucrèce, hein, que quelque chose du langage existe déjà pour que tout simplement la possibilité pour lui d'apparaître soit désirée, désirable et fasse valoir sa nécessité. Comme ce passage vient après le développement sur les comportements instinctifs des jeunes animaux, dont il tire la conséquence, on est en droit de supposer que Lucrèce veut insister sur le caractère également instinctif des premières manifestations linguistiques, de l'activité sémiotique élémentaire, donc d'abord gestuelle, selon lui. Hein. Autrement dit que cette dernière est elle-même instinctive. C'est précisément ça qui constitue la base, qui lui permet de comparer l'usage humain de la voix et des organes tels que la langue au rôle des cris chez les animaux. Donc on pourrait dire qu'il y a une espèce de polyphonie instinctive, enfin plutôt une polybucalité, mais pas polyphonie, c'est une spontanéité presque évidente des formes prises, mais par la collectivité en fait, et pas par un seul. Si donc la variété des sensations, là c'est Lucrèce qui parle, hein, si donc la variété des sensations amène les animaux, tous muets qu'ils soient, à émettre des sons divers, combien n'est-il pas plus juste que les hommes d'alors aient pu désigner les différents objets par des sons différents? On le constate. Si la conclusion de Lucrèce reprend partiellement la thèse d'Épicure, du parallélisme naturel entre mots et sensations, donc le texte épicurien, c'est « Les hommes émettent l'air modelé et produit par chacune des passions » qu'on a lu tout à l'heure, « apparemment et par chacune des représentations », Lucrèce a écarté de la doctrine tout ce qui concernait chez son prédécesseur le caractère individuel des premières manifestations du langage, de même que le rôle concomitant des différences locales et culturelles dans l'homogénéisation progressive des parlers singuliers en idiomes collectifs distincts. Pourquoi Lucrèce n'a-t-il probablement pas suivi Épicure sur ce point? Mon hypothèse est que le développement que nous lisons dans le De Rerum Natura est strictement conditionné par sa place dans la seconde partie du livre 5, tout entier consacré au progrès général de l'humanité. À cet égard, il est symptomatique que l'origine du langage figure chez Lucrèce avant la découverte du feu et avant l'invention de la royauté, qui marque le début de l'histoire proprement dite. Ce qui... Alors, je vois mal comment est-ce que la royauté aurait pu exister avant le langage, hein, du reste. Et oui. Compliqué. Oui. Ce qui suppose la naissance des diverses nations et donc des conflits. En revanche, dans les quelques lignes que Diogène Laërce nous a conservées à ce sujet, Épicure parle, comme je l'ai dit, de progrès matériel et spirituel différenciés selon les groupes humains, ce qui revient à dire qu'il les considérait déjà comme particularisés culturellement, avant de mentionner comme conséquence de cet état de fait l'origine du langage. À Rome, les doctrines philosophiques concernant l'origine du langage, pour autant qu'on peut les saisir, chez les trois auteurs que j'ai retenus, relèvent encore assez clairement des versions grecques antérieures de ces doctrines. Indépendamment de la question de savoir si Varron, en conséquence de la différence entre le grec et le latin, admettait ou non une origine polygénétique du langage, par attribution ad placitum des noms, Alors, ad placitum, tu saurais traduire ça? Je te le mets dans le chat. Placitum, je sais pas ce que ça veut dire. Attribution ad placitum. On doit bien constater qu'il mentionne, dans la partie morphologique du De Lingua Latina, des créateurs multiples du latin, se mettant par là en contradiction avec ce qu'il avait enseigné dans la partie étymologique de son ouvrage. Faut-il supposer que la source grammaticale qu'il suit, alors, avait tenu compte des objections épicuriennes et admettait que la langue avait été créée non par un individu isolé, eût-il le pouvoir et l'ascendant d'un roi, mais bien par tout un groupe social? Ad placitum, c'est au bon plaisir. Au bon plaisir, d'accord. Ok. Donc au bon plaisir du roi, en l'occurrence, avec une cause, une origine unique et individuée, quoi. Le roi. De son côté, Augustin reste muet sur la question du premier inventeur du langage. Ce silence pourrait être motivé par son christianisme tout récent. Le De Dialectica date de quelques semaines avant le baptême de son auteur. La création adamique des noms et l'épisode de Babel devait être pour lui incompatible avec les théories stoïciennes. Alors, je voudrais revenir quand même sur le christianisme. Le De Dialectica date de quelques semaines avant le baptême de son auteur. Ouais. Augustin, alors, à l'époque d'Augustin, le baptême n'a pas du tout la même fonction et la même valeur qu'aujourd'hui. On baptise pas les enfants à l'époque d'Augustin, on baptise les adultes. Et il y a cette idée que c'est quelque chose d'important, parce qu'une fois qu'on est baptisé, donc à l'époque d'Augustin, une fois qu'on est baptisé, on ne peut plus commettre de péché, puisque l'âme ne connaît plus de péché. C'est beaucoup plus grave de pécher après avoir commis un baptême. C'est beaucoup plus grave de pécher après avoir été baptisé qu'avant. Et en plus, on sait par les confessions que Augustin est chrétien très très longtemps, plusieurs années avant son baptême. C'est dans les confessions, c'est même spécifique, c'est un passage, il parle à sa mère de son désir de se faire baptiser, et sa mère, qui est la raison de sa conversion, sa mère lui dit non, ne te fais pas baptiser tout de suite, mène ta vie, et fais-toi baptiser plus tard. Donc le christianisme de faire coïncider le christianisme d'Augustin avec son baptême, c'est prendre une vision très contemporaine de ce qu'était la conversion et le christianisme à l'époque d'Augustin. Oui, sans doute, mais la façon dont il l'articule n'est pas forcément contradictoire, puisqu'il dit que même si c'est avant le baptême, il est déjà chrétien. Ce qui est logique, effectivement, au sens où, comme tu le dis, où il est éduqué par Monique, sa mère, dans la connaissance de la religion chrétienne et ses préceptes, et elle le laisse vivre sa vie sans jamais lui intimer l'ordre de se baptiser, jusqu'à ce qu'il épouse, en fait, lui-même, la doctrine. Mais là, il dit, ce silence pourrait être motivé par son christianisme tout récent. Donc ça veut dire que l'auteur considère qu'avant son baptême, il est déjà chrétien. Tu vois, parce qu'il dit, la création adamique des noms et de l'épisode de Babel devait être pour lui incompatible avec les théories stoïciennes. Donc il le considère, même non baptisé, comme déjà chrétien. Par ailleurs, des deux versions de l'iconicité originelle qu'il expose, sans en remarquer les différences, la thèse de l'iconicité phono-symbolique, plus proche du texte de Platon que celle de l'iconicité que j'ai dit lexico-symbolique, donc onomatopéique, comme disent les autres, accorde à la subjectivité des premiers locuteurs un rôle qui se retrouve chez Épicure et Lucrèce. Enfin, l'agencement du texte de Lucrèce lui-même montre que l'épicurisme, s'agissant de l'origine du langage, était peut-être plus complexe que ce que Diogène Laërce nous a conservé des écrits du maître sur la question. Le silence du poète sur l'origine des divers idiomes historiques est-il dû seulement au fait qu'il n'a gardé de la doctrine que ce qui concernait l'origine instinctive du langage, ou bien a-t-il été influencé par la version stoïcienne de la monogénèse purement iconique du langage? Difficile de répondre. Le parallèle que Lucrèce établit avec les cris des animaux engage cependant à écarter une telle hypothèse. Selon toute probabilité, le modèle glottogonique épicurien ne doit rien à la théorie du premier inventeur. Il est tout entier fondé sur une anthropologie qui proclame la continuité du règne animal et même la continuité de l'univers tout entier, ce qui pour un atomiste semble assez évident. Fondé sur l'identique nature atomique, ah ben il le dit, de la totalité du réel. Voilà, c'était pas la peine que je coupe, parce qu'effectivement il y a une cohérence à ça. Donc on comprend mieux à la fois le caractère continu, le caractère collectif, le collectif n'étant jamais rien d'autre finalement que du continu spatial, là où la théorie produit aussi un continu temporel, quoi. Ce qui est finalement les deux faces d'un même problème, en tout cas d'une même problématisation du monde. En conséquence, qu'il faut admettre chez les auteurs examinés des syncrétismes entre les deux théories rivales d'Épicure et des stoïciens, donc une combinaison, si vous voulez, qui rassemble les deux, un syncrétisme, ce serait d'abord chez Varron qu'il faudrait le faire, comme Jean Collard l'a déjà supposé, et peut-être aussi chez Augustin, mais pas chez Lucrèce. Voilà. Mais ce texte, je trouve que c'était quand même vraiment chouette de lire ça. Ça nous a vraiment plongé de façon assez claire dans tout un pan historique de cette problématique. Moi, je ne connaissais pas, ça va chez les Latins, quoi. Bon, bah, c'est super. Alors, qu'est-ce qui reste des dialogues? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, mais on va pas finir ce soir. Ah oui. C'est pas possible. Hein. Je vais mettre mon petit marque-page. J'ai voulu faire deux petits écarts avec ce texte, mais je pense que c'est chouette de l'avoir fait. Et on va faire un petit crochet pour la caractéristique, pour la thèse inachevée de Brunet. Mais du coup, bah voilà, on n'a pas fini le chapitre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme c'est étonnant. Voilà. Bon, là, j'ai beaucoup fait pour, je dirais, produire à fond la digression, là, on est au-delà de la digression. C'est un live de digression. Alors. Non, mais pas du tout, Dr. Wack. Oh, il y a Dr. Wack qui met Augustin dans les sacs à merde. C'est très, très vilain, Dr. Wack. Alors là, c'est mal. On vengera Augustin sur cette chaîne. C'est ça, on lui rendra justice. Est-ce que tu as assez de force pour lire du Da ou t'es Nasbrock? Oui. C'est vrai? Oui, non, je vais vous lire un petit peu de Da avant d'aller... Oh, c'est génial. Avant d'aller m'effondrer. Trop bien. Alors, on en est au chapitre 29. Oh là, le titre... C'est brouillon, cette chaîne. Détresse. Détresse, hein? Détresse. La détresse de Da. La détresse de Da. Mais oui, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ah ben, on va voir ça tout de suite. Da connaît les jours d'affaissement. Ils sont rares. La vie des bois et le péril constant tiennent l'énergie en éveil, puisqu'un moment d'oubli suffit pour qu'on en meure. Il a pourtant des minutes où la mort elle-même ne ferait plus trembler, tant on est là d'avoir eu peur. Elle peut venir du dehors sans qu'on daigne la fuir, car déjà on la porte en soi. Da, plus que nulle autre bête, est sujet à ces crises. Son impressionnabilité le met à la merci des influences qu'exerce sur son âme naissante l'état de l'atmosphère ou celui de son corps. Souvent aussi, ces heures mauvaises lui viennent au lendemain de ses jours de triomphe, lorsqu'il a fait orgie d'allégresse, de confiance, d'espoir écru en lui, et surmené ses nerfs, où son pauvre encéphale, une réaction le jette à plat dans la boue. Flouche. Alors là, c'est pas Da qui parle, hein. C'est Edmond Haraucourt qui fait flou. Enfin, qui ouvre une ligne de dialogue pour les onomatopées de la boue. Il y a un tiret de dialogue, je m'attendais à ce que ce soit Da qui parle, et non, c'est la boue qui onomatopète. Il marche et la pluie l'inonde, comme hier, comme toujours. Elle l'importune aujourd'hui. Il a trop vu la pluie, elle le décourage mollement du fond de son être vaseux. Une révolte essaye de tressauter, s'effondre aussitôt. Oh, mets-le, oh, mets-le. Il est temps que Da invente le câlin. Ouais, c'est ça, ouais. Hein. Ou le lisangxia, je sais pas. Une révolte essaye de tressauter et s'effondre. Aussitôt, il fronce les sourcils et il promène autour de lui avec lenteur un regard vaguement haineux. Il exècre le monde et l'effort, mais la colère même est une dépense trop coûteuse pour sa veulerie. Il est fourbu. Ses bras sont lâches, sa massue est lourde, encombrante. Il ne l'aime plus. Pourtant, il avait un gros kink la dernière fois quand même. Hein. On pensait pas que... Je les croyais consubstantiels, moi, là. Je ne pensais plus d'A sans sa massue. Là. Mais il est au bord de la rupture, c'est quand même... Ouais. Da est en train d'inventer la dépression, là. Oui. Ses pieds traînent, ses jarrets manquent de ressort. Aller dormir entre deux branches de chêne, oui, non, pas même. Ah non, il est en pleine dépression, là. Ah oui, il a vraiment... Ouais, à quoi bon ? Il faut qu'il trouve quelqu'un qui parlait. Hoc, dors. Les fourches sont trop hautes. La seule idée d'une ascension l'excède. Il se laisse choir au pied du tronc. Il se cale du dos contre les rugosités de l'écorce. Son arme glisse dans la mousse et il regarde l'averse. Très... Je suis ému, en fait. Oui, c'est ça. On a enfin un point de contact avec cet être frustre qui était là jusqu'à présent. Bah, voilà, comme nous, il a ses moments de déprime. C'est ça. Chez Kafka, l'hominisation du singe passe par une bonne cuite. Et pour nous, c'est la dépression. L'ogicle du haut des nues ruisselle du haut des arbres en cataracte. Elle flotte devant lui, rideau mouvant et terne que secouent les rafales. Sous les brusques poussées du vent, elle se démène, fouettant les rameaux, hachant les feuilles, cinglant les fûts, criblant les mares, et ses bruits innombrables s'en mêlent en un tumulte où l'on croirait entendre toutes les voix de la forêt. C'est comme si des milliers de bêtes à la fois jetaient dans le lointain leurs cris qui roulent vers Da. Il les reconnaît. L'ours qui grogne, le lion qui rugit, l'hyène qui ricane, des singes glapissent, des chiens... Mais tiens, il est en train de nous faire l'album de la ferme. Le tigre fait graou, graou. Il est très à propos, ce chapitre. Et... On a même un petit passage sur les infinitésimaux parce que la métaphore dont se sert Leibniz pour les calculs des infinitésimaux, c'est le fait qu'une goutte de pluie qui tombe sur le toit ne fait aucun son, alors qu'une averse en fait. Hein. Donc le son émis par une averse, c'est l'analogie dont se sert Leibniz. C'est en quelque sorte une somme d'infinitésimaux. Donc on est vraiment complètement raccord. Ça congrue grave. Tous ses ennemis hurlent contre lui et l'assaillent ensemble de leurs menaces convergentes. Convergentes! Oh là là! Ils sont trop. Et il est trop seul. Il renonce. Il n'en peut plus. Qu'on le mange et que tout finisse, puisqu'il faut être dévoré tôt ou tard et qu'il n'échappera pas à la règle du monde. Les coups du tonnerre par instant remuent sa vie au fond de lui, mais sitôt qu'il a sursauté, il s'effondre à nouveau. Roc rôde aux alentours. Tout à l'heure, le voyant accroupi, elle s'est éloignée vers l'autre bout de la clairière et il a regardé son dos s'enfoncer sous l'averse. Elle cherche à manger encore. L'idée d'avaler... Elle pense donc qu'à bouffer. Mais c'est qu'un ventre. C'est pas vrai. L'idée d'avaler des choses le dégoûte, et Rock qui remue en cassant des branches l'agace. Elle a disparu, il s'ennuie. La revoici là-bas, il l'aperçoit à travers les voiles de l'ondée, comme une créature de rêve. Il ne la discerne que vaguement, il a l'impression de ne plus la connaître. Tant elle lui est indifférente et tant elle a l'air d'exister peu, si peu. Elle ressemble à du néant qui marche, certes. C'est encore elle qui va morfler. Mais quel bourrin, ce dame. Certes. Oui, on peut être dépressif et bourrin, hein, donc c'est bien la preuve que la dépression n'est pas forcément un signe de profondeur d'âme. Certes, Dan n'a point formulé cette image. Oui, non, c'est un peu trop épais pour ce genre de... Dan n'a point formulé cette image, mais une sensation de mort subite et froide l'a traversée, et dans la pénombre de son cerveau, il a entrevu du mystère, un trou, du noir, le vide, quelque chose d'effroyable, comme les gouffres de la montagne avec la nuit au fond. Ne plus être. Il en frissonne. Il ouvre des yeux ronds et sa bouche reste béante. La femme revient, cependant. À mesure qu'elle avance, il éprouve l'impression de revenir lui-même et de très loin, d'un monde qu'il ne soupçonnait pas tantôt et qu'il oublie déjà. Hogg se rapproche. Elle n'est encore qu'un être de vapeur, brouillard à la forme humaine qui chancelle dans le brouillard. À chacun des pas qui la ramènent, elle se condense davantage. Il semble qu'au choc de ses pas, elle se solidifie et elle se reprend à exister. Maintenant, elle est devant lui, il la fixe d'un œil hébété, que réellement elle soit vivante. Il n'en sait rien et ne s'en soucie pas. Elle se penche vers lui, elle le regarde dans les yeux, elle y voit l'angoisse et elle devine, car elle connaît ce mal. Mais quand elle en souffrait, il n'y prenait pas garde. Ça fait 3 ans qu'elle est dépressive avec ce gros con. Il n'en avait rien à carrer. Ah putain! Vivement Coq avant que je divorce. Vivement que Hawk invente le foyer, quoi. Enfin, il faut qu'elle trouve un lieu à l'abri de ce type. C'est ça. Elle reste immobile devant ses prunelles désertes et leur détresse la pénètre à son tour. Du creux de sa gorge, un beuglement grave et faible s'exhale. Ah, j'ai pas tellement su comment le prononcer, hein, désolé. Refais-moi ça. Ne... Rien ne lui répond. Alors, sa plainte se fait prière. Souffle contre souffle, elle l'appelle. Da! Il ne l'entend pas, il ne la voit pas. Il reste embourbé dans sa nuit. Elle se résigne. Elle s'assied à sa gauche. Et tous les deux, côte à côte, les yeux fixés droit en avant, regardent tomber la pluie. Quelle image! Il scrute au loin la grotte du psychanalyste. Ah, c'est un très beau chapitre, hein. Il ne la voit même plus, mais toujours, dans 200 000 ans, ils se souviendront du déluge. Ça, c'est vraiment venu de nulle part. C'est quoi cette phrase? Qu'est-ce que... Alors, il était en train de nous parler de la désolation, de la solitude, de la crainte de mourir. Bon, il pleut, d'accord, il pleut. Ok, ouais. Et en fait, il fait à la fin, ah, tiens, en fait, c'était le déluge. Et surtout, dans 200 000 ans, ils s'en souviendront. Ok, là. Donc, on est au-delà, hein, des généalogies bibliques qu'on trouvait déjà assez tordues avec des mecs qui vivent 150 ans, mais alors là... Et donc, voilà, c'est là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Avec cet étrange... Final. L'irruption du déluge. Parce que twist. Parce que, enfin, c'est vraiment. Eh ben, merci Gabriel pour cette lecture, c'était cool. Ah ben, c'était très bien, c'est toujours très bien. Bon ben, chers agneaux, nous on se retrouve jeudi ou vendredi, je sais pas trop, pour la suite de Bac Sandal. Voilà, je verrai bien le temps que ça me prendra pour vous le préparer et puis ce que j'aurai à faire d'ici là de ma semaine, s'il y a des trucs à faire de ma vie, autre que des lives de temps en temps. En tout cas, c'était chouette, cette petite lecture. C'était vraiment des textes assez chouettes, hein, vraiment. Et merci évidemment à toi, Gabriel, d'être avec nous. C'est trop cool. Merci à toi aussi. Je vais vous faire raider chez Tout se comprend. Ça me paraît pas mal. Donc, on va faire ça. Vous souhaitez une bonne soirée à Robin Hinard de Tout se comprend, qui doit être en train de causer de Aberkan. Je pense que ça va donner, à mon avis. J'ai marqué on se fait du mal. C'est ici on aime souffrir. L'origine de la vie selon Idriss Aberkan. Je ne sais pas où ils en sont, mais ça promet d'être assez drôle, à mon avis. On va continuer dans les couillonnades. Je vous souhaite une bonne fin de nuit et de soirée. Et je vous dis donc à très bientôt. Et je lance le raid aussi sec. Donc, comportez-vous bien, enfin, les trucs habituels, hein, soyez gentils et gentilles. Voilà, dites bonjour à la dame, mouchez votre nez, enfin, tous ces trucs qu'on fait quand on... Voilà. À très bientôt. Alors, il est parti ce raid, est-il parti? Es-tu parti le raid? Oui, il a l'air parti. Eh ben, très bien. À bientôt.